Oui, j'allais oublier. Un instant. Je crois que je dois... Non, je crois que je dois mélanger. Non, 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 non. Non, je crois qu'il doit y avoir. Ok. J'y vais, mon cœur. Hein? C'est quoi le problème? Écoute, puisque tu ne peux pas me dire quel est le problème, je m'en vais travailler. Ok? Afin de gagner de quoi prendre soin de nous deux. Hein? Tu ne dis rien? John, Oga, ouvre-moi le portail, s'il te plaît. Mon meilleur Oga. Ouvre le portail. Vous voulez sortir, Oga? Non, je veux me coucher. Tu sais quoi? Va à l'étage et me chercher quelque chose. Hey! Non, c'est qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Hein? Non, 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 non. C'est quelle forme de sorcellerie ça? Mais arrête! Hey, Seigneur, viens mon aide. Hey, cette femme recommence à chercher des noises à mon patron, Oga. Arrête! Fais ça, c'est un rayon, arrête ça! Puisque tu ne sais pas remettre les choses, où tu les as prises, tu ferais mieux d'enlever ta tête. Mais tu vas arrêter ça! Enlève ce truc! Enlève ce truc de ton visage! Tu vas te battre! Boma, tu veux me frapper? Non, 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 c'est maintenant que tu réalises! Tu veux frapper une femme, c'est ça? Tu veux te battre! Tu me demandes si tu veux te frapper, hein? Tu veux frapper une femme, n'est-ce pas? C'est maintenant que tu réalises que tu es femme! C'est maintenant que tu le réalises! Ouvre cette porte, que je te montre que je suis un homme! Alors c'est maintenant que tu sais que quel je suis un genre d'homme inutile es-tu? Un homme qui, au lieu d'aller au travail, se met à se battre avec sa femme aussitôt le matin. Espèce bon, de vraiment, je me bats! Alors, j'ai sorti du ventre de ma mère! Et j'ai commencé à me battre avec une femme! N'est-ce pas toi qui a commencé tout ceci? Espèce de démon! Hein? Boma, tu me traites de démon? Je suis un démon! Parce que j'ai fermé la porte! Une porte! Une porte que tu n'as même pas fabriquée! As-tu fabriqué une porte quand tu venais à l'Écosse? La même maison où nous devons jeûner! Et prier chaque année avant de payer le loyer. Boma, tu n'as pas honte? C'est ce que tu me dis maintenant? Aïe, 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 aïe. Non, c'est tout ce que tu sais faire dans cette maison, c'est de réduire ma virilité. Je vais casser ta tête, Nancy. Alors, quand je dépensais tout mon argent sur toi afin de réaliser tes rêves, tu ne savais pas que ce n'est prier? Aïe, 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 aïe. Je vais te traiter. Boma, Boma, dis-moi, tout ce bruit que tu fais là, c'est pourquoi? C'est pourquoi, Boma? C'est parce que je me suis levée ce matin et que j'ai corrigé mon mari. Quelle stupide correction! Mais gentiment, gentiment, comme une bonne femme, corriger mon mari ce matin, Boma. C'est pour ça que tu hurles de la sorte en me traitant de démon, Boma. Que Dieu te punisse! Mais tu incarnes le diable! Tu es un démon! Tu es un démon! Si quelqu'un cherche sur le diable, qu'il vienne te voir, car tu es le diable! Boma, je suis ta femme et tu me traites de démon! Tu es un démon! Mari démoniaque! Tu es un démon! Mari démoniaque! Tu es un démon!
N'importe quoi. Tu n'ouvres pas la porte? Tu n'ouvres pas la porte? Vas-y, casse-la. Tu ne peux pas l'ouvrir, que je la casse? Pas de soucis. Tu n'as pas honte, va au travail, Boma. Tes égos sont allés au travail ce matin. Je n'ai pas ton temps. Les hommes comme toi sont au travail. J'irai au travail afin de continuer à te nourrir, afin que tu puisses avoir l'énergie de m'insulter. J'irai au travail. Ça va? Pas de soucis. Pas de soucis, mais sache juste que j'en ai vraiment marre. Puisque je te dis que je suis fatigué de ce mariage, j'en ai terminé. J'en ai terminé, Boma. Monsieur, si vous en avez marre, vous savez ce que font les autres hommes quand ils en ont marre. Ce n'est pas en disant j'en ai marre tous les jours. Quant à moi, j'en ai marre de t'entendre dire que tu en as marre de ce mariage. Chaque jour, j'en ai aussi ras-le-bol. Va voir notre avocat. Sois pratique pour une fois. Dans ta vie, Boma. Boma Célestin, sois pratique. Boma Célestin, quel genre de nom c'est que ça? Espèce de vaurien. Bon à rien. Chaque jour qui passe, Boma. Chaque jour qui passe. Il balance ses choses à tort et à travers dans cette maison comme si. As-tu mis une domestique dans cette maison? Suis-je une domestique ou je suis ta femme? Eh? Réponds-moi, je suis ta domestique ou bien je suis ta femme? Boma? Mais qu'est-ce qui arrive à mon foyer? Hein? Va au travail, oh, tes égos y sont déjà. Tu seras en retard au travail et si on te renvoie, nous ne ferons pas de prières et de jeûnes cette fois-ci. Nous irons dormir à l'église. Tu es encore là? Boma, tu es encore là? Boma? Monsieur, hein? Ceci est votre montre. Elle est tombée quand vous êtes précipité dans la maison. Bien, merci. Désolé, Ogao. Je remercie le ciel. Tu remercies Dieu, pourquoi? Ah, Oga, regardez, quand le tonnerre frappe et ne fait pas de victime, vous devez remercier le Seigneur. John. Monsieur? John, écoute. Je sors, je vais au travail. J'aimerais que tu veilles sur ma femme. Oui, monsieur. Qu'est-ce que j'ai dit? Veille sur ma femme et assure-toi qu'elle aille bien. Oui, monsieur. Ok? Quoi qu'il se passe ici, ne te regarde pas. J'ai besoin que tu gardes un œil sur ma femme et assure-toi qu'elle aille bien. Qu'est-ce que j'ai dit? Que je garde un œil sur ma femme. Écoute, écoute, ça c'est le mariage. Oui, monsieur. Ok? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le mariage, c'est la vie. Ça peut arriver à n'importe qui. Ok? Les couples se battent. Est-ce que tu entends ce que tu... As-tu été marié avant? Ah, non, je ne me suis jamais marié avant. Tu n'as jamais été marié? Oui, monsieur. Ok, bien, maintenant retiens cette leçon. C'est ça le mariage, ok? Oui, ça, c'est le mariage. Ce qui s'est passé là, c'est ça le mariage. Et ça ne te regarde pas. Je ne voudrais pas t'être pas en train de prendre parti de qui que ce soit, ok? Parfois, tu es, tu sais, tu étouffes, tu sens que... Tu comprends? Oui, monsieur. Ça arrive. Tu pourrais sortir la tête brisée dans le processus. Ça arrive, c'est ça le mariage. Ces choses arrivent. Tu pourras ressortir la tête brisée, tu dois juste te relever et continuer d'avancer. Oui, monsieur. Hein? C'est un devoir pour les hommes. Tu me comprends? Oui, monsieur. Viens. Un jour, mon papa a dit que quand un homme convole en juste noces avec une femme, sa bouche commence à travailler, vous comprenez? Quel travail? Mais la bouche qui sera utilisée pour les querelles. Ouvre mon portail. Ouvre mon portail. Hé! Madame! Qu'est-ce qui t'amuse? Rien, Mao! Non, mais dis-moi ce qui t'amuse! Ah, mais je ne ris pas, madame! Non, partage la blague pour que je rigole avec ton patron et toi! Ah, non! Alors, comme ça, vous mal parlez de moi, c'est ça? Non, 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 non du tout! Tu te lèves le matin et tu commères avec ton boss, mais tu ne peux pas ouvrir ta sale gueule pour me saluer, n'est-ce pas? Je suis vraiment navré! Bonjour, madame! Espèce d'incapable! Oh, on t'a demandé de me saluer maintenant? Non! N'importe quoi! Désolé, madame. Quelle erreur ai-je encore faite? Qu'on me laisse boire mon eau glacée. Il fait très chaud. Vous avez une peine?
Cela vous coûtera 3000. Là n'est pas la question. Je veux savoir si vous avez une épingle pour ça, oui ou non. La réponse est oui ou non. Vous avez un problème, monsieur. Je vous ai simplement dit que ça fera 3000 naira. Vous êtes en train de crier, je suis pas votre employé, d'accord? Ce n'est pas à vous de m'apprendre mon métier. Ça vous coûtera 3000. Vous êtes malade? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous êtes fou, vous n'avez pas de respect. Que je n'ai aucun respect. Je vous pose une question. Avez-vous une épingle ou pas? Vous me parlez de 3000. Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si quelqu'un vous a énervé, s'il vous plaît, ne venez pas déverser votre colère sur moi. Vous êtes venu me voir de votre plein gré. C'est clair? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Qu'est-ce que j'ai dit de vous êtes une dieu, vous êtes un crétin. Monsieur, vous êtes vraiment stupide. Monsieur, si vous ne passez pas d'ici tout de suite, je vais vous en donner une. Vous allez faire quoi? Je vais vous en donner une. Vous allez faire quoi? Monsieur, je vais vous péter la gueule. Vous allez faire quoi? Monsieur, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous êtes... Elle est vraiment chanceuse d'avoir un mari comme vous. Si je vous avais comme mari, je donnerais ma vie pour vous rendre heureux. Je ferais la cuisine pour vous. Je ferais en sorte que vous soyez toujours heureux parce que c'est ce que vous méritez. D'accord. C'est vraiment injuste. Vous savez, avec tout ce qui se passe, vous pouvez avoir de l'hypertension. Est-ce que vous savez que le chagrin donne du cancer? S'il vous plaît, essayez de vous détendre. Nous ne voulons pas vous perdre dans ce bureau. Nous vous aimons. Ne vous en faites pas, tout ira bien. Ok, vous avez rendez-vous à 14h avec Nasco Limited. Donc, je vais vous faire votre thé préféré au miel, ok? Et s'il vous plaît, essayez de vous détendre. Je vais essayer, d'accord? J'essaierai d'oublier Soyez cette histoire. Content. Aussi, celle avec ces voyous. Je vais tout oublier. Ces voyous m'ont volé. Mais qu'est-ce que vous faisiez avec tes voyous? De toutes les façons, relaxez-vous, détendez-vous, ok? Tout ira bien. Je viens tout de suite avec votre thé. Détendez-vous, plus de tristesse dans ce bureau. Je te le jure, aucun homme ne pourra tolérer tes bêtises. Vraiment? Je veux remercier le ciel. Dis-moi, est-ce que tu connais une femme qui pourrait tolérer tout ce que je tolère? On dirait que tu ne comprends pas la dimension de tout ceci, IJ. Cet homme, hein? Il pourrait prendre quelque chose à Bagada et aller le déposer à Viaille. Il le dépose où ça lui chante. Cet homme pourrait manger sur le lit, y laisser le plat et puis s'en aller et sortir. Il fout le bazar où qu'il passe. Et ensuite, quelqu'un sortirait partout dans les gosses pour chercher de beaux mecs. Mais quel porc j'ai épousé! Ah! Mais c'est aussi ça qu'il a comme défaut, non? Hein? Quand est-ce que je t'ai dit que c'était ça son seul défaut? Écoute, Nancy. Tous les hommes ici dehors sont remplis de défauts, mais nous devons les ignorer. Aucun homme n'est parfait. Tant que ces défauts ne mettent pas ta vie en danger, tu devrais pouvoir les gérer. C'est comme ça que les gens vivent. N'est-ce pas ça qu'on appelle mariage? Savoir se supporter l'un et l'autre. Pour le meilleur et le pire, n'est-ce pas? J'aimerais bien savoir. T'as pas remarqué ses défauts avant de l'épouser? Alors, pourquoi est-ce que tu te plains maintenant? Ok, écoute, sans te mentir. Oui, je le savais. Mais j'ignorais que ça tournerait aussi mal. Il y a un truc qu'il fait genre quand il finit de se peigner les cheveux.
Il dépose le pain n'importe où encore avec ses cheveux dessus. Il le dépose n'importe où. Et aussi parfois, il rentre chez lui en chipant. De gauche à droite, il chip. À la moindre occasion, il chip. Mais c'est quoi le problème? J'en ai marre. Quand il s'assoit, il chip. Quand il mange, il chip. Quand il veut, quand tu lui demandes qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi le souci? Es-tu fâché? Ai-je fait quelque chose? Rien, oh. Il chip à tort et à travers. À chaque fois que je suis avec lui, je ressens de la tension. Je ne sais pas si je fais quelque chose de bien ou si je fais quelque chose de... J'en ai marre. Il ne manque plus que... Je lui dise, je t'aime bébé, et qu'il dise, je t'aime aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Il ne manque plus que ça. La seule chose qui me plaît en ce moment, c'est que je l'aime bien insulté. Donc tu ne l'aimes plus autant? Oui, parce que l'amour nous rend... Nous rend aveugles. Lorsqu'on aime quelqu'un, on est prêt à endurer toutes ces conneries, tu sais. Madame, s'il te plaît. Ça, c'est de l'obsession. Non, ça c'est un mensonge. Je le désapprouve. Tu vois l'amour? L'amour est en fait l'huile qui rend supportable la vie. Si un mariage est en panne, l'amour est l'essence qui convient à ce mariage. Ok, visualise ce qui se passe lorsqu'une voiture n'a pas d'essence. Qu'est-ce qui se passe? Le moteur te lâche. Et bien sûr que tu sais tout ce que tu feras pour pouvoir le remettre en marche. Eh oui. C'est exactement la même chose. S'il n'y a pas d'amour, le mariage ne peut fonctionner. Il n'y a pas d'essence. C'est la réalité. Bien sûr qu'il est plus sage de mettre du carburant dans sa voiture que de laisser sa voiture tomber en panne et puis... et dépenser encore beaucoup plus après pour la mettre en marche. Oui, c'est la même chose. Écoute, tu as le droit de prendre comme tu veux. C'est juste mon opinion. Et ma propre opinion, Madame Aïdji. Je lui ai montré aujourd'hui. C'est ça le plus important. C'était violent. Mais non, t'aurais pas dû faire ça. T'aurais dû attendre que... Oh, Jésus. Non, si. C'était le mauvais timing. T'aurais dû attendre qu'il rentre du travail, qu'il mange, et puis que... En parlant de nourriture, je suis vraiment désolée. Je dois aller lui chercher quelque chose à manger. Tu sais qu'il ne s'amuse pas avec son estomac. Au moins là, c'est la seule chose avec laquelle il ne s'amuse pas, à ce que je sache. Au moins, quand je lui donne son repas, c'est seulement quand il veut s'asseoir qu'il fait... Après ça, il commence à manger et ensuite, il reste tranquille. Alors, laisse-moi aller essayer de lui trouver quelque chose à manger avant qu'il ne me chip à mort. Ok. C'est compris. Nous sommes toujours ok pour demain? Bien sûr. Bien sûr que nous le sommes. D'accord, c'est ça. D'accord, ma puce. Bye. Ah. Oh. Il m'a déjà influencée. Qu'est-ce que... Ah. Ah. Encore, Boma. Ah. Nom de Dieu. Bébé. Oh, tu m'as manqué de la journée. Oh, viens, regarde. J'ai fait ton plat préféré, viens. Ah, assieds-toi, mon amour. Assieds-toi. Ah, laisse-moi t'aider avec ça. Assieds-toi, bébé. Chérie, mais assieds-toi. Alors, dis-moi, c'était comment au boulot? Ça t'intéresse? Oh bébé, arrête, cesse de me casser les pieds. Alors maintenant, tu ne me parles pas? Ok, oh. Au moins demain, quand tu me parleras et que je ne réponds, souviens-toi que tu étais le premier à commencer. Donc, je ne ferai que riposter. Non, si tu me fatigues. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne me facilites pas la tâche. Hein? À chaque fois, je dis bien à chaque fois. Tu dis des choses à tes amis avant même de m'en parler. Même sans qu'ils ne te le demandent. J'entends les choses que mon mari est sur le point de réaliser de l'extérieur. Tu donnes tout ton argent à des proches. Hein? C'est quand la dernière fois que tu m'as fait quelque chose de spécial? C'est quand la dernière fois que tu m'as fait sortir? Mais tu es là, tu changes de coupe deux fois par semaine. Tu portes de beaux costumes avec style. Tu sors travailler, tu es tout beau. Et tu es tout frais, comme un beau gosse. Mais attends. Ah, Boma, est-ce que tu me trompes? Hein? Qui est-ce que tu essaies d'impressionner? Dis-moi avec qui tu sors.
Boma, dis-moi, dis-moi. Sérieusement, est-ce que tu me trompes? Non, si. Non, si. Tu sais, c'est très facile, hein? Pour toi de t'asseoir là et de sortir une très longue liste de tous mes défauts et n'en ressortir aucun des tiens, tu sais pourquoi? Mais tu es un ange, Nancy. Tu es infaillible, tu n'as pas de défauts. Mais tu sais quoi? Ça va, aujourd'hui c'est ton jour, je te laisse gagner. Je suis un homme. J'ai d'autres choses à gérer, je ne peux pas m'asseoir là et commencer à citer les défauts. Non, 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 non. Non, non, non. Boma, ne me laisse pas dans le suspense. C'est ton jour. Attends, attends, regardons ça de près. Qu'est-ce que j'ai comme défaut? Hein? Quel défaut? Hey! Je ne vois pas. Attends, je... Moi? Attends, tu veux dire... Peut-être que je me plains beaucoup. Aïe, Boma. Ou alors, j'ai un mauvais tempérament. Ou alors, peut-être de temps en temps, je te harcèle. Tu vas dire que je t'insulte. Je ne sais pas. Je suis rancunière. Ou bien, tu dis que moi, je ne fais attention qu'à tes défauts. Et pas au mien, mais ce n'est pas vrai du tout. Non, ce n'est pas vrai, pas du tout. Et même si c'était le cas, c'est tous ces petits, ces minuscules trucs que tu voudrais ramener. Des choses minuscules qu'un vrai homme pardonnerait. C'est pour ça que tu t'emballes ces petits trucs. Ah! Hein? Bon sang. Cette fille va me tuer. Bon. Mais Boma, tu es là en ce moment. Oh. Tu es rentré du boulot. Elle va me tuer. J'ai préparé ton repas, ton plat préféré. Je range après toi. Depuis ce matin, je range après toi. Quand tu sors, je fais le ménage, je fais le linge. Quelle femme, en ces temps modernes, fait ce genre de choses? J'ai fait tellement de choses bien. Même ce que tu ne m'as pas demandé de faire. Boma, j'ai tout fait, même ce que tu ne m'as pas demandé de faire. Tu connais quelle femme de nos jours? Qui pourrait faire tout ce que je fais? Qui? Personne. Mais Boma, je le fais pour toi. Kai! Mais voici ce que j'obtiens. Et la prochaine chose que tu diras, c'est que je suis un démon. Kai! Oui! Parce que tu es méchante! Moi? Comment peux-tu parler de la sorte? Avec tout ce que je fais pour toi dans cette maison, tu es une mauvaise personne! Oh! Oui, laisse-moi te dire, tu es une mauvaise personne. Premièrement, tu es très rancunière. Tu n'oublies pas ce que te font les gens. Tu les attaches dans ton cœur, comme ça. Tu ne les laisses pas partir, tu ne pardonnes pas. Et à ce que je sache, c'est le pire défaut qu'un être humain puisse avoir. Ah oui, le pire des défauts, c'est démoniaque. Boma, tu me traites encore de démon. Moi. J'ai dit que c'est démoniaque. Je n'ai pas moi. Dit que tu... C'est... Moi, Boma, tu me traites de démon. Ça va, pas de soucis. Regarde ce que j'ai préparé pour toi. Je l'ai préparé comme une esclave. C'est bon, pas de soucis. Si tu n'as pas empoisonné cette nourriture, tu as cuisiné pour moi. Je l'ai mangé. Ça va. Je vais dans la chambre parce que je... Tu as juste mangé un côté de l'assiette. Il fallait venir manger. Viens manger tout ça pour que je sois sûr. Je ne te fais pas confiance. Cette femme veut me tuer. Je ne mange pas ça. Non. Non, Boma. J'ai préféré encore mourir de faim que de mourir empoisonné. Non. Jésus, Seigneur, mon Dieu, mon Père, tout ennemi qui met les mains sur mon mariage, dans mon foyer, je l'ai détruit au nom de Jésus. Hey! Brûle, 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 hein? Brûle. Saint-Esprit, feu! Mais non! Le Saint-Esprit, feu! Le feu où ça? Il brûle. Le feu Seigneur, où ça? Fouette-les de ton foie céleste. Seigneur, frappe-les de ton foie céleste. Merci. Oh Seigneur, plus d'ennemis.
plus de barrières à mon mariage. Ah, oh, c'est quoi cette putain de journée ? Je te recommande ma famille. Je remets ma vie entre tes mains. Seigneur, bénis-nous. Je te recommande mon foyer, Nancy, mon mari, ma maison. Je remets tout entre tes mains. Nancy ! Aujourd'hui, c'est le jour. Amen. Le jour du Seigneur. Amen. Dieu est bon. Il a fait pour moi, mon ami. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon. Je sanctifie ma maison. Il a tout fait pour moi, mon ami. Nancy, mais c'est lève-toi quoi ça? Lève-toi et loue le Seigneur. Nancy! Dieu est bon. Il a tout fait pour moi, mon ami. Qu'est-ce que c'est? Lève-toi Quand et loue. Tu es le roi des rois. Hey, arrête! Merci, Seigneur. Je m'en veux pas. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais sous moi? C'est quoi ce truc? C'est de l'eau bénie. De l'eau quoi? Tu rigoles? Ce n'est pas de l'eau que tu tiens là. C'est de l'eau potable bénie par le pasteur. De l'eau potable bénie? Oui. Tu vas bien? Que ce truc ne me touche plus. Que ce truc ne me touche plus. Si tu... Que ce truc ne me touche plus. Écoute, écoute très bien. Si tu asperges encore ça sous moi, je vais uriner dans ce... verre et je vais l'asperger sur toi. C'est quoi le problème? Et pourquoi tu fais tout ce bruit dans la maison? Je suis fatigué. Je ne te semble pas fatigué. Je suis allé au travail. Je suis rentré pour me reposer. Je suis là. Et j'attends que tu finisses afin d'entrer et me reposer. Et toi, tu es en train de faire du bruit. Tu fais du bruit. Tu ne vis pas seul dans cette maison. Tu la partages avec quelqu'un. Ok, donc tu penses que ça a été facile pour moi d'être là toute la journée? N'est-ce pas avec de l'énergie que j'ai fait la lessive? Que j'ai aussi fait la cuisine? Que j'ai pris soin de la maison, mettre de l'ordre partout? Tu penses que ce n'est pas épuisant? Mais malgré tout ça, Boma, j'ai encore de l'énergie pour louer le Seigneur. J'ai de l'énergie pour louer le Seigneur parce qu'il est le commencement et la fin. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu omnipotent et le Dieu omniprésent. Il est le rocher des âges et l'El Shaddai. Jéhovah Sini, Jéhovah Shammah. Je serai toujours en forme pour le Seigneur. Parce qu'il m'a béni et il a béni mon foyer. Parce qu'il a béni mon mari. Oh mon Dieu, El Shaddai, le Dieu omnipotent et le Dieu omniprésent. Tu es le commencement et la fin. Tu es le je suis, celui qui suis. Seigneur, c'est toi le grand ancien des âges. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Qui pourrait me séparer de Jésus? Personne. Personne, je dis bien personne, rien. Pas l'argent, pas la richesse. Je dis rien du tout, pas même mon mari. Même Boma ne pourra pas me séparer. Si Boma ne pourrait pas me séparer de Jésus. Merci. Quoi? Cesse d'appeler mon nom dans tes prières. Dieu n'est pas intéressé par ce genre de prière. Oh oui! Arrête! Si tu veux prier, cesse de m'appeler. Cesse de m'appeler si tu veux prier. Non, arrête! Je ne suis pas intéressé. S'il te plaît. S'il te plaît, pardon. Ne me mets pas à tout ça. Parce que tu ne sais pas de quoi tu parles, Boma. Je vais prier pour toi. Nancy! Tu ne sais pas ce que Nancy, tu racontes. Nancy! Nancy! Boma, comment Nancy, peux-tu dire ça? Tu es malade. Si tu, je te jure. Est-ce que tu, si tu asperges Boma, encore ce truc sur moi, je te dis que je vais ruiner dans ce gobelet. Le diable ne gagnera pas. Je vais ruiner dans ce gobelet et le verser sur toi. C'est quoi ton problème? Le nom de Jésus. J'ai perdu la tête. Le nom de Jésus. Boma, tu es malade. Hein? Boma, tu es cinglé. Comment peux-tu ouvrir ta bouche et me dire de ne pas prier pour toi, ah mon Dieu? Mais comment peux-tu dire ça? Ah, Père, aie pitié si de lui. Aie pitié de lui, Père. Attends, attends. Viens-tu lui demander si je suis malade, si je suis cinglé? Et puis tu pries? Nancy! Comment peux-tu être aussi hypocrite? Tu pries et tu traites ton mari de cinglé? Dans tes prières, est-ce que cela a un sens pour toi? Hein? N'est-ce pas assez clair que tu n'apprends rien du tout de toutes tes prières? De la spiritualité superficielle, c'est ce que tu pratiques. Donc tu m'insultes, tu te demandes si je suis cinglé, moi ton mari, pendant que tu pries. Pourquoi agis-tu comme si je t'avais insulté? Je t'ai simplement posé une question. Je t'ai demandé si tu étais cinglé et tu as dit Tu le non. répètes encore? C'est juste une tu question. Tu te rends compte que tu le dis encore? Laisse-moi te dire. Respecte-toi. Je te respecte dans cette maison. Respecte-toi. Depuis que je suis rentré, tu ne cesses de m'encombrer. Respecte-toi. Tu dois savoir qu'il y a un temps pour tout. Même la Bible que tu lis. Dans le livre de l'Ecclésiaste, que toute chose sur la terre a un temps précis. Un temps pour travailler, un temps pour dormir, un temps pour se reposer. Un temps pour... Tu sais, en ce moment, il est temps de se reposer. Bébé, tu l'as dit haut. On dit que le diable connaît mieux la Bible. De quoi est-ce que tu parles? Le diable s'habille en Prada, mais toi, tu cites bien la Bible. Alors, je suis le diable. Non, mais attends, je n'ai pas encore fini de te reprocher de me traiter de cinglé et de malade. Maintenant, tu me traites de diable. Boma, moi? Pourquoi me traites-tu de diable? Quand?
Tu viens de me traiter de diable. Boma, même si c'était le tu cas. Tu as dit le diable, Chalaru Yamplada. Tu viens de me traiter de diable. Boma, même si je l'avais dit, ce qui n'est pas le cas, disons que tu je l'ai pas dit. Tu n'as pas tué. Boma, dis-moi, est-ce que ce n'est pas toi qui m'insultes depuis le matin dans cette maison? Tu m'as traité de sorcière. Depuis le matin, tu me traites de sorcière jusqu'à présent. Tu es une sorcière. Demande-moi pourquoi tu es une sorcière. Tu es une sorcière, je te l'ai dit comme j'étais ainsi là. Tu es très rancunière. Je croyais que qu'on avait réglé ça. Ne l'avons-nous pas fait? Tu m'as même fait à manger. Le fait que je t'ai préparé à manger ne signifie rien du tout. Le fait de ranger après toi, de faire la lessive et aussi de te préparer à manger est juste un devoir pour moi en tant que femme et rien de je plus. Je ne suis pas un devoir. Ha. Écoute-moi très bien, je ne suis pas un devoir. Je ne suis pas un rôle. Je suis un maître, non. Je suis Boma, ton mari. Tais-toi. Reste tranquille, Boma. Est-ce que tu dois parler? Pourquoi ne parlerais-je pas? Dois tu parler? Pourquoi je ne peux pas parler? Tu parles trop. Tais-toi. Pourquoi je ne peux pas mais parler? Mais quel genre d'homme est-ce que j'ai épousé? Boma, sois viril. Monsieur, soyez viril. Vous êtes un ça homme. Ça m'appelait de la sorte. Sois viril comme un vrai homme. Ça m'appelait de la sorte. Je n'ai pas épousé ça une femme. Ça m'appelait de la sorte. Qu'est-ce qui te dérange, Boma? Ah, le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Je vais brûler dans ce verre. Au nom de Jésus. Espèce de folle. Tu es une vraie folle. Je vais l'asperger sur toi. Hey. Mauvaise nuit. Ah, tu... Tu n'as pas aidé, je n'ai littéralement pas dormi du tout. Ouais, c'est ça. Ok, ceci peut vous permettre de vous détendre. Merci, tu n'as pas aidé de comment j'en avais besoin. Ça me fait vraiment plaisir. Je vous en prie, Boma. Je dois avouer que vous êtes une bonne personne. Vous savez que je suis là si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci. J'ai du travail. J'ai beaucoup à faire. Ok, mettez-vous au travail. Vous savez ce qu'on dit. Heureux l'homme qui travaille. Je ne vais pas vous déranger. Bon appétit à vous. Merci. Je suis désolée. C'est comme d'habitude, non? Je suis désolée, il y avait des embouteillages. Sérieux. Pourquoi t'es pas sortie plus tôt? C'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait, ce sont les embouteillages. Bien sûr. Ok, d'accord, je suis désolée. C'est bon, c'est désolée. Bon. Dis-moi ce qui t'a pris autant de temps. Écoute, en fait, je rangeais après Boma. Il a foutu le bazar comme d'habitude. Et ensuite, il s'est mis à chipper. Comme si c'était de ma faute. Pardon, ne vous entretuez pas seulement. Je suis sûre qu'un jour je vais le suivre. Non, ne dis pas ça. Non, écoute, je suis sûre qu'il le fait exprès. C'est pas vrai, c'est un homme, et c'est ce que font les hommes. Ils foutent le bazar partout. Pardon, tu peux vivre avec ça. Je ne peux pas. Bien sûr que tu le peux. Je suis sûre qu'il le fait pour m'énerver. S'il te plaît, tu te prends trop la tête avec ça. Passons nos commandes, moi j'ai faim. Ne t'énerve pas. Je le suis déjà. Mangeons d'abord, peut-être qu'après la colère... C'est pour vous, mesdames. Nous n'avons pas encore commandé. Oui, et nous étions justement sur le point de passer nos commandes. Où est-ce que ça sort? Le gentleman d'à côté, madame. Un instant que je cherche un autre verre. Attends. Je connais ce gars. N'est-ce pas Sam? Sammy? Ton Sammy? Qu'est-ce qu'il fait là? Tu ne m'avais pas dit qu'il a quitté le pays. Oui. Il était en Australie ou quelque chose du genre. Ah ah. Chut, doucement, il arrive. Salut, mesdemoiselles. Salut, j'espère Sammy. Que vous allez bien. Très bien. Contente de te voir. Je suis ravie aussi. Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que t'avais quitté le pays après... Après que ton amie ici présente m'a brisé le cœur. J'ai quitté le pays, je suis allée aux États-Unis. Et donc,
Je viens juste de rentrer au pays. Tu sais, il n'y a rien comme le bon vieux Nigeria. Tu sais, la nourriture et tout le reste. Notre bonne nourriture africaine. Tellement délicieuse. Ce n'est pas toutes les nourritures qu'on peut trouver aux États-Unis. C'est vrai, c'est vrai. Salut, Sam. Que... Tu as bonne mine. Nancy, t'es toujours aussi belle, Nancy. Waouh, je suis contente de te revoir. Ça vous dérange si je m'assois? Oh non, pas du tout, s'il te plaît. Ok. Et merci pour le vin. Oh, je t'en prie, ce n'est rien. Oh. Alors, Nancy, comment tu vas? Je vais bien. Et toi? Alors, Sammy, quand est-ce que tu es revenu? Je crois que ça fait 2 mois oh, déjà. Oh, comme ça, tu as eu assez de temps pour... Pour m'amuser, bien sûr. Tu sais que nous avons besoin de ça. Alors, tu as rencontré une jolie petite non, fille. Non, je n'ai vu personne pour le moment. Non? Ouais, ça fait longtemps que je ne suis pas dans une relation avec une fille. Waouh, comme ça, tu es célibataire. Toujours célibataire. Waouh. Je suis célibataire. Ma sœur, j'adore ta robe. Non, ah, elle est ah mon ami. Hey. C'est vrai que je me sens pas bien dedans. Je me sens tellement bizarre ma avec puce. Ça. Non, mais sérieux, cette journée était juste waouh. Bien sûr, je me suis c'était également bien. Waouh. Je te jure, ma chérie. Je t'assure, je me suis bien éclatée. Électrique. Tu vois de quoi je parle? Là, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu as l'air très excitée. Et toi, tu es indifférente? Tu n'es pas contente d'avoir passé ta journée avec ta meilleure amie? Moi, je suis contente de l'avoir fait avec toi. Ma puce, je ne suis pas sûre que toi et moi nous parlons de la même chose là. Ah ah! S'il te plaît, dis-moi que c'est juste à cause de moi que tu es autant excitée. Mais bien et... sûr. J'espère que ce n'est pas à cause de l'ex de quelqu'une. Eh bien, quand même. C'était cool de revoir Sammy aujourd'hui, pas vrai? Il est très beau. Sérieux, il est. En fait, en ce moment, je me demande pourquoi est-ce qu'on avait rompu. Dis-moi, il est tellement beau. Ah, les femmes, nous sommes tarées. Je te jure, nous sommes tarées. S'il te plaît, calme-toi. Quoi? Calme-toi, tu... Quoi? T'es mariée, ne l'oublie jamais. Hein? Alors arrête de magnifier autant ton ex. Ah ah! Vous avez rompu il y a de cela plusieurs années. Malheureusement. Ah! Je sais, ça va, je sais. C'est bon, allons-y. Où est mon ami? Allons-y, ah ah. Cœur. Eh bien, tu ne sais pas à quel point tu comptes pour moi. Tu comptes vraiment beaucoup pour moi. Pour tout ce que tu fais pour moi, je vois le mal que tu te donnes pour tout remettre en ordre dans cette maison. Comment tu ranges tout après moi? Comment tu nettoies après moi? Je suis reconnaissant. Et je voulais te dire que je suis terriblement désolé. Cette façon dont tu es terriblement désolé. Terriblement désolé parce que... Avec la tournure que prennent les choses, si... Nous ne faisons rien pour... Nous pourrions nous perdre. Je pourrais te perdre, bébé. Je t'aime beaucoup. Je ne voudrais pas te perdre, bébé. Tu comptes énormément pour moi.
Et si je ne fais rien à propos de ça, je pourrais perdre ton amour. Pas juste ton amour, mais la vie à tes côtés. C'est pourquoi je te dis, aujourd'hui, ma pensée, je voudrais terriblement sauver notre couple, car je t'aime. Mon bébé. Tu es tellement doué avec les mots. Mon bébé, je suis désolée. Je suis désolée pour toutes les fois où j'ai hurlé. Si je te harcèle tout le temps. Et je suis désolée de ne pas être patiente envers toi. Je vais continuer d'essayer de te comprendre. Merci. Merci, mon amour. Et tu sais ce que je veux? Non, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je veux juste qu'on aille au lit. Et qu'on se fasse des câlins. Tu te souviens de comment on se faisait des câlins avant? Ah! On peut faire ça? Cool! Et je te tenais très fort dans mes bras. Ouais, très fort. Et j'aimais chaque minute qui passait. Comme ça? Ah! Oui, c'était tellement bien. Ah! Oui. Ah! Viens là. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, mon cœur. Je me souviens comme tu m'appelais avant. Nancy. 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 Toi, tu disais, hey, cesse de m'appeler. Bouma. Bouma. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Qu'est-ce que ça me manque? Ça me manque également. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Je t'aime. Je t'aime aussi. Ouais. Ça m'a vraiment manqué. Bouma? Bouma? Bonjour, bébé. Viens là. Tu as bien dormi? Qu'as-tu prévu pour la journée? Rien du tout. Et vas-tu faire quelque chose en dehors du travail aujourd'hui? Rien. Juste. Le travail encore et encore. Je vais manquer à quelqu'un aujourd'hui. Oh oui, tu me manques déjà. Ne pars pas. Je dois y aller. Oh non. Hein? Ne pars pas. Je dois y aller. Ok. Ça y est. À plus tard. Bye. Ne pars nulle part. Reste dans ton bureau et fais ton travail. Ok. Bye. Surprise! Bébé? Bouma? Bonjour. Oh, non, si. Bouma ne m'a pas dit que vous alliez passer. Il était censé le faire. Comment oses-tu? Espèce d'idiote. Et Bouma? Attends.
Attends, tu peux me rafraîchir la mémoire, je crois avoir... Je suis désolée. Qui a employé qui? Monsieur Daigo est sorti pour un entretien, madame. Coucou, chérie. Où étais-tu? Pardon? Où étais-tu? Où étais-tu? Voyons, bébé. Mais je sors du bureau. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu es un menteur. Oh. Boma, tu es un très gros menteur. Où étais-tu? Au bureau. Tu n'étais pas au bureau. Je veux que tu me dises où tu étais. Tu sais quoi? Je suis épuisé. J'ai passé une très, très, très longue journée. Je n'ai pas de temps pour tes caprices en ce moment. Alors, je fais des caprices? Oui, tu le fais en ce moment même. Boma, je me suis dépensée toute la journée pour te faire le déjeuner afin de faire une surprise à mon mari et arriver à ton bureau. Ta poufiasse de secrétaire a eu l'audace de me manquer de respect. Et puis toi, Boma, tu me dis que je suis en train de faire des caprices. Ok. Je vois maintenant. Calme-toi. Eh bien, c'est un malentendu. J'ai reçu un appel urgent pour une réunion avec des clients et je devais me dépêcher d'y aller, d'accord? Et comment aurais-je pu... Tu aurais dû me dire au téléphone que tu venais. Quelle partie donc? Surprise, tu ne comprends pas. J'ai dit que je voulais te faire une surprise. Oh, ouais. J'aurais dû prendre un rendez-vous. J'aurais dû envoyer un mail à ta secrétaire. Je t'en prie. À cette pute. Pour avoir son autorisation afin de venir voir mon mari. Ah, c'est bon, ça y est. Je... Ah! Boma! Quoi? C'est toi qui lui as laissé ce message pour moi? C'est toi qui lui as demandé de me manquer de respect, Boma. De quoi est-ce que tu parles? Comment aurais-je pu lui dire cela? Mais attends, comment aurais-je pu le lui dire? Pourtant, je ne savais même pas que tu étais en train d'arriver. Tu me demandes? Comme... Boma, je ne sais plus rien du tout. Je ne sais vraiment plus rien parce que absolument tout de ce mariage ne semble pas marcher. Non, si. Rien ne marche, Boma. J'en ai marre. Non, si. Boma, j'en ai marre. Ce n'est pas si grave que ça, mec. Calme-toi. Oh, mon Dieu. Cette femme. Nancy, écoute, ce n'est pas ce que tu crois. Nancy, voyons. Allez, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Mais voyons, écoute, est-ce que c'est normal? Tu ne peux pas me menacer de me quitter à chaque fois quand je dispute. Ce n'est pas normal. C'est un malentendu et c'est très normal. Parlons-en. Ce n'est pas juste un simple malentendu, Omar. Qu'est-ce que c'est? Il y a plein de choses. Quoi? C'est un petit souci par ici, un petit souci par là. C'est le bordel partout. Boma, je ne peux pas. Je ne peux plus continuer. Je suis mentalement et physiquement épuisée. Je suis moralement épuisée, Boma. Je ne sais pas. Peut-être que c'est ce qu'on appelle des différends irréconciliables. Non. Je ne sais pas. Ne dis pas ça. Nous ne sommes pas arrivés là, ok? Nous avons passé de bons moments, ok? Nous avons eu des meilleurs jours. Ne l'oublie pas. Ne fais pas attention à ces problèmes. Ce sont juste de petites bagarres entre couples. Et c'est très normal. Oui, c'est normal. Des petits problèmes? Oui. Ne vois-tu pas la tournure que prennent les événements? Je fais des choses pour toi comme une femme aimable que je suis. Comme te ramener à manger au bureau. Une nourriture que j'ai préparée comme une esclave toute la journée. Juste pour aller et rencontrer ton espèce de poufiasse. De secrétaire, ou c'est ton assistante. Me demander pourquoi est-ce que je viens.
voir mon mari? Et pourquoi est-ce que je lui fais une surprise avec son déjeuner comme si je devais lui demander une permission avant de faire quelque chose de spécial pour mon propre mari? Boma, entre nous, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois savoir? Quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose entre vous deux? Voyons, comment est-ce que tu peux dire une telle chose? Hein? Ok, je suis d'accord, je suis d'accord. J'aurais dû t'appeler, ok? J'aurais dû t'appeler et te dire, hey, chérie, je suis en train de sortir pour une réunion, tu sais. Mais pour me défendre, tu ne m'as pas dit que tu venais, mon bébé. Tu ne m'as pas dit, sale bébé, je suis en route pour ton le travail. Tu ne me l'as pas dit. Boma, je ne veux... Et tu as l'impression que j'ai quelque chose à cirer, quelque chose à voir avec Naomi. Elle ne signifie rien. Rien tu du tout. Tu penses que je me soucie de ça? Mais c'est ce je que... Je ne fiche pas mal de tout ça, Boma. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu m'as dit quand tu sortais de la maison ce matin. Ok. Je suis désolé. Qu'est-ce que je peux faire maintenant afin qu'on puisse aller de l'avant? Vire-la. Hein? Vire-la. Virer qui? Vire-moi. Renvoie ton assistante ou alors ta secrétaire ou peu importe comment tu l'appelles. Pourquoi? Je veux qu'elle s'en aille. Pourquoi? Parce que je suis ta femme. Et j'ai un sixième sens par rapport à ce genre de choses. Est-ce que je dois te rappeler que je suis ta femme, Boma? Oh. Non, si cette compagnie ne m'appartient pas. Oui. Nous travaillons en équipe. Oui, mais tu diriges l'équipe. Et qu'est-ce que je vais exactement leur dire qu'elle aurait pu faire pour se faire virer? Je ne sais pas. Je suis certaine qu'elle a fait quelque chose. Même si cela remonte à 2 ou 3 ans. Peut-être qu'elle aurait oublié de te rendre ton stylo après que tu le lui aies prêté. Ou peut-être qu'elle n'aurait pas fermé la porte comme il se doit. Vraiment? Oui. Aïe! Mon Dieu! Comme ça, tu pleurniches parce que je t'ai demandé de renvoyer ta petite amie, ta soi-disant secrétaire. Aïe! Je crois que c'est la preuve qu'il me fallait. Ma vie... Ma vie. Ma vie. Ma vie. Non. Non. Ce n'est pas une vie, ça. Assieds-toi, prends place. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, monsieur. Je ne voudrais pas vous déranger avec mes problèmes. Oh non, voyons, je veux savoir ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. C'est ma mère. Et c'est quoi le problème? Elle vient juste de m'appeler qu'elle est à l'hôpital depuis hier. Elle a eu une crise cardiaque. Désolé, cesse de pleurer. Ok? Elle ira bien. Je ne veux pas la perdre. Et tu ne vas pas la perdre, ok? Relax. Et tout ce que j'ai dans ce monde, je ne veux pas la perdre. Je ne veux pas la perdre, monsieur, je ne peux pas. Ça va, ok? Nous allons voir comment nous pouvons t'aider. D'accord? Tout ira bien. Écoute, si tu as besoin de quoi que ce soit, eh bien, fais-le-moi savoir. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes gentil. Ce n'est rien. Que Dieu vous bénisse. Je t'en prie. Hein? Je t'en prie. Merci, monsieur. C'est bon. Monsieur. Oui? Vous m'aviez appelé tout à l'heure. Vous vouliez me dire quelque chose? Oh, ça, rien d'important. Ok? D'accord, tu monsieur. Merci, monsieur.
Aïdjé, je ne rigole pas. Je lui ai demandé de la licencier. Pour m'avoir manqué de respect, non, elle doit partir. Non, si tu ne penses pas que t'as allé un peu trop loin. Ce n'est que sur des suppositions que tu t'es basée, mais voyons. Tu n'y étais pas. C'est parce que tu n'y étais pas, tu aurais dû entendre sa façon de me parler. Elle était genre... Boma n'est pas là. Il n'était pas au courant de votre arrivée, moi. Elle te le demande en tant qu'équipe. Je comprends maintenant. Mais pour qui est-ce qu'elle se prend? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle se prend maintenant pour l'assistant adjoint, ou que nous sommes coépouses, ou quelque chose comme ça. Parce que je ne comprends pas. Mais attends. Dis-moi, pourquoi est-ce qu'elle appelle ton mari par son nom? Ça ne fait pas trop de familiarité. Aïdjé, c'est pour ça que je t'aime. Ça te prend du temps parfois, oh. Tu as beau tourner, mais tu finis toujours par comprendre. Maintenant, tu comprends ce que je ressens. Non. Je veux dire, dans son attitude et tout ça, j'étais genre, non, elle doit partir. Et tu penses qu'il le fera? Boma? Tu penses qu'il va la virer? Mais il me connaît, non? Il me connaît. Mais voyons, chérie. Mais il me connaît, non? Je me suis assurée ce matin qu'il le fasse dès qu'il arrive. Que dès qu'on lui ouvre le portail, qu'il dise, prenez, vous êtes virée. Moi? Mais je ne sais pas, copine. De quel côté es-tu? Mais de ton côté, c'est quelle question? Alors, reste là. Je suis de ton côté, d'accord. Mais... Peut-être que juste une querelle aurait suffi, tu sais. Tu vois pourquoi je ne t'ai rien offert à boire? C'est pour ça que je ne t'ai rien offert à boire. Parce que je n'ai pas soif. Si j'avais soif, je serais allée à la secrétaire de Boma pour qu'elle te l'offre. Ne t'en fais pas. Non, je préfère être la copine de la femme du boss. Ah oui, ma copine, elle la patronne. Et dis-moi, qu'est-ce que ça fait de moi? L'assistante de la patronne. Salut, mec, quoi de neuf? Tout va bien. Tu sais bien que tu dois me déposer après le boulot? Oui, je me souviens. Il est déjà 14h. Oh, ne t'en fais pas. J'irai te déposer, ok? J'irai te déposer. Tu sais, si on arrive en retard et que les auditeurs ils sont déjà, t'en fais pas, je t'attendrai. Et quand tu auras terminé, j'irai te déposer. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mec. Hein? T'es sûr que tout va bien? Tout va bien. Tu sais quoi, si je te connaissais pas, je dirais que tu veux juste rester dehors aussi longtemps que possible. Bien. Tu n'es pas loin de la vérité. Oui, j'essaye de rentrer chez moi tard. Très tard. Comment puis-je expliquer ça? Écoute, il y a le feu sur la montagne. Le paradis est secoué. Oui, le paradis est secoué. Écoute, mec, ma femme est une dure à cuire. Elle rend ma vie vraiment difficile. Écoute, tu sais, elles sont toutes pareilles. Elles sont toutes pareilles. Toutes pareilles. Tu sais, quand je t'ai marié à mon ex-femme, tu sais, c'est une histoire pour un autre jour. Parce que quand elle commençait, elle s'était partie pour pas s'arrêter, alors je fuyais pour ma vie. Mon frère, écoute, ta femme est une apprentie comparée à la mienne. Ta femme apprend encore. Je vraiment? Je vais rencontrer ma femme. S'il te plaît, laisse-moi... Laisse-moi terminer avec tout ça. Et puis, on y va. D'accord. Je dois juste faire ça. Allez, mec, dépêche-toi, on n'a pas assez de temps, tu sais. Tu pourrais finir ça plus tard. Allez, dépêche-toi, frère. C'est quoi le problème? Espèce de bâtard! Ne t'ai-je pas dit de la virer? Mais tu peux me tuer, là! Tu couches avec elle, c'est ça? Oui, c'est pour ça que tu ne l'as pas. C'est ça! Attends, mais... Tu couches avec elle, c'est pour ça que... Attends, je t'en prie! Boma! Ma poitrine! Boma, tu m'as tué! Boma, tu m'as tué! Hey, madame, je ne vais pas mourir quand on l'a se relevé. Bébé, madame, allez-y. Non, madame, elle s'est relevée, sinon elle va. Désolé, bébé. Madame, désolé, madame. Vraiment, désolé. Madame, tenez bon. Désolé, mon amour. Pas ici, c'est ça. Madame, tenez bon, vous n'allez pas mourir, je vous assure, madame. Désolé, porte-la. Oui, je fais ce que je peux. Madame, attendez. Madame, attendez. Attendez, on va y arriver. Mais ici. Ah, idiot, tu t'as demandé d'aller dans ce sens. Je suis morte. Madame, je suis désolé.
Désolée, je suis pas désolée. Vous allez vous en remettre, madame. Désolée. Boma, tu m'as... Aïe, Boma, tu m'as... Désolée. Madame, désolée, oh. Désolée, bébé. Désolée, madame. Désolée, bébé. Tiens-moi bien. Désolée, madame. Désolée. Olga, s'il vous plaît, faites attention à madame. Ou... Aïe. Désolée, oh. Hey. Merci, John. Regardez comment ils marchent. Qu'est-ce? Comme s'ils étaient de bonnes personnes. Alors que ce sont tous des fous. Kai. Que personne ne meure dans cette maison. Si quelqu'un venait à mourir, je porterais mon sac direct pour Ioni. Ioni, j'arrive. Kai. Je ne veux pas aller en prison en tant que témoin ou que Dieu m'en préserve. Hey. Malgré leur niveau d'éducation, ils n'arrivent pas à avoir le self-control. Bébé, attends, ne t'approche pas de moi, s'il te plaît. Je ne veux pas rester là. Je ne veux pas être là. S'il te plaît, laisse-moi dormir en paix. Je ne veux plus me battre, ni déclencher une bagarre, encore moins te marcher dessus. Je ne veux pas d'embrouille, je ne sais pas, regarde. Écoute, tu as vu ce qui s'est passé? Ce soir, j'essayais juste de t'empêcher de me faire du mal, mais j'ai fini par te blesser. Voyons, je n'ai pas la vie que je souhaitais pour nous deux. Je veux juste avoir un peu d'espace. S'il te plaît, désolée. Je suis vraiment, vraiment désolée. Bébé, je ne voulais pas que les choses aillent aussi loin. Et aussi, rappelle-toi, le docteur a dit qu'il n'y a rien de grave, qu'il n'y a aucune lésion générale. C'est juste une petite égratignure. Rien de bien trop grave, bébé, s'il te plaît. Viens te coucher avec moi, reviens sur le lit. Non, si tu essaies de me transformer en quelqu'un que je ne suis pas. Bébé, tu me s'il transformes te plaît. En quelque chose d'autre. Assuré de me, tu finiras par arriver. C'est ce que je ne veux pas. Est-ce que je peux avoir mon espace pour cette nuit? Bébé. Non. Bébé, non, stop, bébé, arrête, s'il ne te fais plaît. Pas ça. Non. Monsieur, ne vous en faites pas. Au moins, il n'y a pas eu mort d'homme. Ah. Je ne sais pas pourquoi les femmes font cela. Si j'avais un homme tel que vous comme mari, ah, jamais je n'allais répondre avec autant de mépris et de colère. Je vous aimerais et je vous donnerais la paix parce que c'est ce que vous méritez. Si vous me demandez de rester calme, Sia, je fermerai la bouche parce que mon mari me l'a demandé. Si vous me demandez de parler, je parlerai. C'est comme ça qu'une femme devrait se comporter auprès de son mari. De toutes les façons, qu'est-ce que je raconte? Je ne suis pas votre épouse. Bien. Donc? Tu vois... Ce sont des choses qui arrivent. Mais je crois que je m'en sortirai.
J'aurais aimé que vous vous en sortiez. Mais non, vous n'arriverez pas. Vous n'allez pas vous en sortir. Regardez-vous à vous reprocher d'un accident qu'elle a elle-même causé. Vous passez des très et très mauvaises journées. Oh, pourquoi la laissez-vous vous traiter de la sorte? Pourquoi, Boma? Pourquoi? Me traiter comment? Abuser de vous et vous contrôler comme elle le fait. Ça n'a aucun sens. Vous ne méritez pas cela. Oui, monsieur. Écoutez. Si vous étiez mon mari, je vous assure, j'adorerais le sol sur lequel vous marchez. Et je ferai en sorte que vous vous léviez chaque matin avec le sourire sur les lèvres, ce durant toute votre vie. Boma, vous êtes l'homme parfait pour une vie. Je suis désolée. Merci, merci pour tes conseils. S'il te plaît, veuille en retenir au travail, d'accord? Ok. Bébé. Bébé, je suis désolée. Je suis désolée. S'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-moi. Bébé, s'il te plaît, je t'en supplie. Ça n'arrivera plus, s'il te plaît. Bébé. Est-ce que ça va? Je t'ai réveillé. Oh, bonjour. Bonjour, bébé. Bonjour. Je vais encore dormir. Qu'avais-tu pour le petit-déj? Quoi? Tu veux me préparer quelque chose? Oui, et aussi te l'apporter au lit. Le petit déjeuner au lit? Oui. Ok, d'accord. Du pain? Peu importe ce que tu vas faire, ça me va. Ok. Ouais. Désolé, doucement, doucement, doucement. Désolé. Mm-hmm. Tu es sûre que tu ne veux vraiment pas rester non, couché? Non, bébé, je veux le faire. Tu es vraiment sûre de ça? Je vais le faire. Ok. C'est d'accord. Reste juste couché. Et j'espère ne pas trop te manquer. Ok. Et le petit déjeuner comme promis. Ça y est. Bébé, voyons. C'était à moi de faire tout ça, tu sais. Tenant compte du fait que tu sois blessée. Ce n'est rien. Ça a l'air vraiment bon. Merci. Bébé, en fait, c'est de ma faute. J'ai honte de le dire, mais... À présent, j'essaie d'arranger les choses. Je suis désolée, bébé. Je suis également désolée. Peut-on cesser de nous battre, s'il te plaît? Je crois qu'on finira par tout gâcher avec nos bagarres. Si... Nous continuons de la sorte. J'aimerais me réveiller chaque matin comme ça. Avec toi. Tu es si spécial pour moi. Tu l'es vraiment. Je ne veux pas te perdre. Je suis vraiment désolée. Désolée pour tout le stress que je te fais subir.
Et je te promets que plus jamais, je ne lèverai le ton sur toi ou me battre avec toi. Ou alors dire quelque chose dans la colère. Plus jamais, je te le promets. Merci. Merci. Je t'aime. Je t'aime. Viens là. Tu es tout ce que je veux dans la vie. Je ne vois que toi. Et je ne veux voir que toi tous les jours de ma vie. Je t'aime tellement. Je t'aime. De tout mon cœur. Viens. Ça fait du bien. Ça faisait longtemps. Merci, bébé. Je t'aime. Merci. Bébé. Je te rappelle tout à l'heure. Ok. Oh, désolé. Excuse-moi, je devais parler à ma femme. Est-ce la méchante sorcière? Pardon? La méchante sorcière qui ne vous colle pas la pêche chez vous. Naomi, écoute-moi. Tout d'abord, ma femme n'est pas une sorcière. De deux, et le plus important, ce qui se passe entre ma femme et moi ne sont pas tes affaires. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Naomi, est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est très clair. Peux-tu me laisser seule? Je dois parler à ma femme. Ok, d'accord, monsieur. Je ne voulais pas me mêler de vos affaires, donc je vais prendre les dossiers, monsieur. De retour à toi, bébé. Ouais. Tu m'appelais juste pour me dire ça, oh bébé. Voyons, tu sais que je t'aime. Quoi, une minute? Non. Mets du calme, IJ. Écoute, non. Écoute, c'est juste un déjeuner. Un déjeuner entre amis, si tu veux. Non, il souhaite juste qu'on rattrape le temps perdu. Bébé, je suis sérieuse. Non, non, ça n'a rien à voir, non. C'est juste deux vieux amis qui se voient pour rattraper le temps perdu. Bébé, non, sérieux. Écoute. Pour dire vrai, je dois y aller. Il faut que je sois de retour à la maison avant que Boma ne rentre. Non, ah. Je te raconterai tout quand je serai rentrée, ok? Ne t'en fais pas, bye. Est-ce que t'aimes le repas? Oui, tu es une excellente cuisinière. Mais je t'en ai gardé un peu, comme tu traînais. Je n'ai pas de cuisinière. J'ai acheté ce repas.
Même si toi et moi savons que je suis un vrai cordon bleu. Oui, je me rappelle. Est-ce que t'es heureuse avec... T'es heureuse avec lui? Quoi? Bien sûr que je suis heureuse. Bien sûr que je suis heureuse avec mon mari. Bien sûr. Et t'es ici pourquoi? Quoi? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es honorée à mon invitation si vraiment t'es heureuse avec lui? Je... Eh bien, je... Tu sais quoi, tu as raison. Je n'aurais pas dû venir. Arrête. Je me sens tellement bête, là. Tellement stupide. Tu n'es pas heureuse avec lui. Ouais, tu ne l'es pas. Je suis désolée, c'est juste que... Je veux te voir heureuse. J'aurais dû te rendre plus heureuse. Et c'est encore possible. Si seulement tu pouvais juste... Juste quoi? Tu voudrais que je quitte mon mari? Oui. Je t'aime plus que lui. Je t'aime plus que lui. Je veux te rendre heureuse. Je veux faire de toi la femme la plus heureuse sur la terre. Écoute, tu es la reine. Et on doit te traiter comme telle. Je veux prendre soin de toi. Ouais. Quoi? Et tu voudrais que je te donne une réponse tout de suite? Non, madame. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Rien. Allez, dis-moi ce qui ne va pas. Bébé. Allez, viens. Bébé. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Bébé, j'aimerais qu'on parle. Parler? Oui, parlons de ta journée. Comment était ta journée? Quoi? Ma journée? Ah, j'ai passé la journée la plus longue de ma vie. S'il te plaît, bébé, on peut parler de ça un autre jour. Ah, waouh. Ok. Bébé. Ok. Pas de dialogue, pas de dialogue. Oh, mais quel ennui. Bébé. C'est tout ce dont j'ai besoin bébé, ce moment. Arrête, s'il te plaît, arrête. C'est quoi? Tout ce dont toi tu as toujours envie. S'il te plaît, arrête. Mon cœur. Mon cœur. Tu vois ce que tu fais maintenant. Boma, tu te mets à chipper à tout bout de champ. Tu vois toutes les bêtises que tu me pousses à faire? Tu vois ça? Je suis désolé. Boma. Désolé. Allez, bébé, viens. Quand tu vas arrêter de chipper? À chaque seconde qui passe, tu chips. On ne sait même pas si on a fait quelque chose de bien ou de mal. À chaque fois, tu réponds toujours en chipant. Est-ce que tu sais que c'est un sale comportement que tu as? Je suis désolé. Eh ben voilà, tu le refais encore. C'est quoi ton problème? Désolé. Ah, et voilà que tu m'as transmis ça. Tout ça, c'est de ta faute, Boma. C'est de ta faute.
tu dors? Hein? Boma. Hein? Boma, bientôt tu tiperas dans ton sommeil. Moindre chose. Boma. 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 Oh mon Dieu, elle est bonne celle-là. Alors, c'est aussi grave que ça? De quoi est-ce que tu parles? S'il te plaît, ne me dis pas que c'est Sammy, pour l'amour de Dieu. Je le savais. Ah! Qu'est-ce que tu savais? Non, si! Quoi? Comment tu peux faire des testos à Sammy? Allez, mais tu es une femme mariée et heureuse. Tu ne devrais pas t'entretenir avec ton ex. C'est juste une conversation inoffensive. Et si c'était Bruna qui avait cette conversation inoffensive avec son ex, comment te sentirais-tu? Est-ce que tu aurais le même langage? Je ne comprends pas. Le problème n'est pas le type de conversation, Nancy. Ça, c'est pas le problème. Ok, attends, pour commencer, comment saurais-je à qui Boma envoie des textos? Est-ce que je lis ses messages? C'est très mal. Nancy, tu sais très bien que c'est mal à tous les niveaux. D'ailleurs, tu... C'est de Sammy que nous parlons là. Sammy t'aime à en mourir. Et toi, tu nourris cet amour. Ce n'est pas vrai. Sérieusement, ce n'est pas vrai. Je lui ai dit que je suis une femme mariée, heureuse en ménage. Mm-hmm. Même si on sait toutes les deux que c'est faux. AJ, tu sais que je ne le suis pas. Tu le sais. Tu le sais, ne fais pas comme si tu l'ignorais. Non, c'est qui est-ce qui est totalement heureux dans son foyer? Hmm? En fait, on n'est jamais totalement heureux dans la vie. On ne l'est jamais, c'est impossible. AJ, c'est différent. Comment? Ce n'est pas ce que tu crois, pour être honnête. Je me sens vraiment très seule, AJ. Je le suis. Honnêtement, parfois j'ai l'impression d'avoir épousé la mauvaise personne. Ne dis pas de choses pareilles. Je suis très sérieuse. Boma et moi ne parlons plus du tout. Nous ne tenons pas de conversation comme le font les couples normaux. Si on ne se bat pas, on se fait des câlins. Ou alors, on ne se parle pas. Ensuite, on se bat à nouveau et on se fait encore des câlins. Nous ne parlons pas. Nous ne tenons pas de conversation. C'est ça qui fait la différence avec Sammy. Mais tu m'as moi, tu peux me parler. Bébé. Quoi? Vraiment? Est-ce que tu es un homme? Bien sûr. C'est tout ce que tu connais. Est-ce que tu es mon mari? Pardon. Mais pour être franche, je ne sais pas. Écoute, je peux parler de tout ça avec Sammy. Il voudrait que je lui parle de n'importe quoi. Il demande mon avis sur la moindre chose. Et ça me fait vraiment plaisir. C'est quelque chose que je n'ai pas avec Boma. C'est trop chaud. Mais c'est sans arrière-pensée, ça ne signifie rien du tout. Il est là. Il est là. Nous n'avons pas terminé notre conversation. J'ai compris. Et tu dois m'arrêter ces testos. Madame, arrêtez. Vu la situation, pourquoi ne vous asseyez-vous pas pour réfléchir sur un divorce? Écoute, mon ex et moi, nous sommes séparés et nous sommes heureux comme ça. Tu sais, nous nous sommes séparés. Et nous sommes beaucoup plus heureux comme ça. Tu sais, parfois, le divorce n'est pas une si mauvaise chose. Je vois de quoi tu parles. Mais mon pote, tu vois, c'est juste que... J'aime ma femme énormément. Ouais, énormément. Mais tu sais... Il n'y a plus cette étincelle, tu vois. Ouais, l'étincelle a foutu le camp. Je le dis parce que je le sais, elle semble être présente. Pourtant, elle est complètement ailleurs. Tu vois de quoi je parle? Je vois. Je suis très confus, je ne sais quoi faire. Crois-moi, frangin, je te comprends. Je te comprends. Oui, entrez.
Monsieur, vos dossiers sont là. Ok. Vous devez signer là. Et là. D'accord. Et là. Merci. Mec, t'as vu ça? T'as vu cette bombe là? Ah. Quel idiot. Sirène. Ah. Éclate-toi. Attends mec, tu pourrais le palier pour moi? Lève-toi et suis là. Mon pote. Espèce de tombeur. Un produit prêt. Une bonne bouffe. Tu m'étonnes. Dis-moi où en êtes-vous? Comment ça? T'en es où avec elle? De quoi est-ce que tu parles? Oh, t'es devenu sourd ou quoi? John, pourquoi es-tu si bête? Madame, ma propre je suis désolé, regarde je n'ai pas ce que fait tu as fait. Regarde, regarde ça. Et tu oses la toucher? Je suis désolé, madame, ne vous fâchez pas. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qu'il y a? Olga, Olga, je n'ai pas l'intention de blesser madame. J'ignorais que cette serviette appartenait à madame, alors je l'ai confondue avec une serpillière. Depuis combien de temps vis-tu dans cette maison pour ignorer ce qui appartient à qui? Madame, s'il vous plaît, madame. Tu ne sais pas ce qui m'appartient? Tu ne sais pas ce qui appartient à Boma? Hein? Lui et moi partageons la même serviette? Est-ce qu'on utilise la même serviette? Ok, ça va. Idiot. Ça va, chérie. Ça va. Il ne l'a pas fait volontairement. C'était une erreur. Désolé. Bébé, c'est tout ce que tu as à dire. Que voudrais-tu que je fasse? Tu lui as fait des reproches et t'as présenté ses excuses, n'est-ce pas? Boma. Quoi? Quel genre d'homme es-tu? Un bon à rien, incapable de défendre sa femme. Ah! Bébé, arrête! Ah. Tu n'as même pas honte de toi. Hey! Tu sais quoi, allons à l'intérieur. Et si je refuse? Ça suffit à l'intérieur! Je n'entre pas, qu'est-ce que tu vas monsieur, faire? Monsieur, s'il vous plaît, ne vous remettez pas, vous battez. Ferme! Passe! Non! Je vais t'en coller une! Je vais t'en coller une! Hey. Pas à l'intérieur! Hey! Hey, Boma, tu vas je m'en vais donner le faire. Une. Tu vas m'en je donner vais une. Le faire. Ah, non, c'est terminé. C'est fini, j'en ai ras. Boma, tu veux me gifler? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux me gifler? Allez, passe. Non, c'est terminé. C'est fini, aujourd'hui même. Qu'est-ce Boma, que tu veux me gifler? Qu'est-ce qui est terminé? Moi, ah, allez, va à l'intérieur. J'en ai ma claque. Qu'est-ce qui t'arrive? J'en ai ma claque. Va à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon avocat passera te voir. Oui.
14, 15, 16, c'est ça mon Superman. Oui. Bravo. Top là. Allez, c'est ton tour. Allez, mon unique supporter. Oui, laisse-moi te chercher un rafraîchissant. Allez, allez, vas-y, dépêche-toi. Mouah. Dépêche-toi. Mes reins. Ah ah. Nancy. Oui, mon chéri. Écoute. Veux-tu m'épouser? Oui. Oh mon Dieu, Samy. Oh mon Dieu. Oui. Vraiment? Ok. Allez. Un gros bonjour à ma ravissante madame Itocha. Mon bel époux. Mm-hmm. Bonjour monsieur Itocha. Comment vas-tu? Je vais bien. Ta nuit était bonne? Super, et la tienne? Bien. Bébé, j'ai une surprise pour toi. Bébé, tu sais que j'adore les surprises. Dis-moi. Mais attends, il s'agit du voyage aux Maldives comme je te l'ai demandé. Bébé, dis-moi que c'est ça. Ok, je vais te dire. Mais allons d'abord dans notre chambre. Bébé, non, je sais ce qui va se passer dans la chambre. Ce n'est pas ce que tu crois. Bébé, s'il te plaît. Je n'irai pas avec toi là-bas. Suis-moi juste. Hein? J'ai quelque chose à te montrer. Tu vas adorer. Bébé. Allez, allons-y. Ok, d'accord. Ça va aller? Ouais, allons-y. Écoute, bébé, ça c'est mon assurance vie en document. Ouais. Tu vois, l'assurance vie est un document. C'est un contrat entre toi et une compagnie d'assurance. En échange d'un paiement et d'une prime. Et la compagnie d'assurance versera une énorme somme d'argent à vos proches qui sont vos bénéficiaires. En cas de ton décès. Ouais, c'est ça. Et aussi, j'ai souscrit à une assurance vie qui dit que si je meurs aujourd'hui, la compagnie d'assurance doit te verser une somme de 150 millions. Une somme équivalente au dollar. Ouais. Et tu es libre de dépenser cet argent comme tu le veux. Fais ce que tu veux de cet argent. Bébé. Mais quand as-tu fait ça? Durant le dernier voyage aux États-Unis. Ouais. Je n'avais jamais pensé à souscrire à une assurance vie, tu vois. Ouais, puisque je n'avais pas une famille. Après avoir rompu avec ma femme africaine des États-Unis, une femme appelée Shakunta. Ouais. Et puisque tu es maintenant à mes côtés, en tant que mon unique Nkem, tu vois, je dois avouer que je t'aime énormément. Je t'aime tellement de sorte que je peux déplacer des montagnes pour toi. Je t'aime tellement beaucoup trop. Au point où chaque jour je pense à décrocher des étoiles pour toi. Et les emballer dans un énorme papier cadeau. Afin de les apporter devant toi.
comme une preuve d'amour que j'ai pour toi. Oui. Je suis sans voix. Tant d'amour, je ne le mérite pas. Bien sûr que si. Bien sûr que tu le mérites. Tu sais, le fait d'avoir... parfois, quand nous traitons... des projets... pour ceux qu'on aime. Et le fait de... leur laisser un bel héritage avant de mourir est une... Pour moi, c'est une preuve d'amour. Oui. C'est tellement magnifique. C'est ça, l'amour. C'est l'amour. Tu vois... Écoute, bébé. Je sais que tu ferais pareil pour moi. Si tu étais à ma place. Je le sais. nous allons faire un autre voyage. Ouais, nous devons faire un autre voyage pour les États-Unis. Oui, oui. Mais oui. Cette fois-ci, ouais, cette fois-ci, je dois finaliser quelques documents. Des documents d'assurance familiale, vie et santé. Ouais, tu sais que je suis un Américain, oui. N'est-ce pas? Et puisque tu es mon épouse, j'ai décidé de t'inclure dans une assurance. Oh. Ouais, s'il t'arrivait de tomber malade un jour, ça ne va rien me coûter de t'envoyer aux États-Unis. Ouais, et nous n'allons pas dépenser grand-chose. Dès lors que la facture entre dans l'assurance vie, c'est ça. Je me dois de le faire pour les personnes que j'aime. Je dois préserver ton avenir. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Tu n'as pas besoin de pleurer. Ouais. Viens là, approche-toi s'il te plaît. C'est trop mignon. Je sais que tu le mérites. Oh oui. Bien sûr. Avant de faire ce pas, j'ai vérifié un ou deux trucs et je sais que tu es digne de cela. Oui. Tu le mérites. Je ferai encore plus que ça. Je veux te montrer à quel point je t'aime. Et te satisfaire pour le restant de mes jours. C'est ça. Merci. Je t'aime. Je t'aime. Toi, je t'aime davantage pour tout ce que tu fais. Je te remercie énormément. L'amour que j'ai pour toi, hein, l'amour que j'ai pour toi, ne cesse de grandir de jour en jour. À vraiment? Cause de tout ce que tu fais. Tu es sûre? Oui. Oh, mon amour. Réveille-toi, monsieur. Réveille-toi. Écoute, mec, je reviens aux États-Unis. Qu'est-ce que tu dis? Dans 2 mois avec ma femme nigériane. Ouais, la fille dont je t'ai parlé, celle que j'ai épousée. Nous allons venir aux États-Unis ensemble. Ouais. Ouais, et je veux que tu prennes un autre ticket pour toi. Je vais y passer juste 2 semaines. Alors, tu vas te prendre un ticket pour faire un petit job pour moi. Et après, tu pourras rentrer. C'est ce que je veux que tu fasses. Alors, prépare-toi. Prépare également ton ticket. Exact. C'est pareil. Donc alors, tu dois te reposer maintenant, ok? Je te tiens informé. Ouais. Ouais. D'accord, mon frère. D'accord. Allô, bébé? T'es toujours à la cuisine? Ok, je descends pour t'aider un peu. Ouais, je descends tout de suite. Pour que, ensemble, nous préparons le repas. Ça ira plus vite. Ok, j'arrive tout de suite, j'arrive. Ok. On y va. Pourquoi est-ce qu'on t'appelle? Pourquoi on t'appelle? Dès que j'ai un affaire, tu sais pour rien que le week-end. Chaque jour, tu prétends qu'on t'appelle. Toutes les femmes de Lagos t'appellent uniquement pour du business. Bon, ma, tu es un infidèle. Tu es un loser et un infidèle.
Moi? Loser. Moi? Infidèle. Waouh. Félicitations. Tu as épousé un loser. C'est tellement dommage pour toi. Boma. Oui? Tu n'es qu'un idiot. Ah. Je te jure devant Dieu, tu n'es qu'un idiot. Je ne vais pas tolérer ça de ta part. Boma, tu es un idiot, un gros malade. Tu sais quoi? À partir de maintenant, je prendrai les choses comme elles se présenteront. Je te les rendrai fois mille, œil pour œil, dent pour dent. Que je t'attrape en train de me tromper avec l'une de ces filles qui t'appelle chaque jour pour les affaires. Je te tromperai aussi avec un homme plus beau, plus jeune que toi. Et qu'est-ce qui me dit que tu ne fais pas déjà? Ouais. Regarde-toi. Tu m'as trompé. Ah oui, tu l'as fait. Tu disais, oh mon Dieu, si seulement je pouvais avoir un homme aussi bien que vous, Bouma. Hein? Pourquoi est-ce que les femmes ne valorisent pas leur gentil mari? Ils disent qu'ils sont rares aujourd'hui. Si seulement j'avais un homme comme vous, Bouma, je le vénérerais. Quand il dira un mot, je resterai calme. Je ne hurlerai pas sur mon mari, jamais. C'est comme ça. Non, 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 non. Je le traiterai comme un roi, je l'adorerai. Je me prosternerai. Devant lui, je laverai le sol sur lequel il se tient. Parce qu'il sera mon roi et mon mari. Regarde-toi maintenant. Quand je dis A, tu es A. B, C, D, jusqu'à arriver à Z. Avant moi, je n'arrive même pas à émettre deux phrases. Dans ma propre maison, je n'ai aucune paix. Tu m'as trompé? Voyons qui rugit comme un loup à présent. Voyons qui hurle. Qui veut m'arracher la tête? Tu m'as trompé en me faisant croire que tu valais mieux que Nancy. T'épouser, toi, Naomi. T'épouser était la pire erreur que j'ai faite de toute ma vie. Je le regrette amèrement. Et à qui la faute? À qui la faute? Toi, au moins, t'as été marié deux fois. Est-ce que je l'étais auparavant? Ah. C'est la preuve que c'est ta faute. Ah. Oui, c'est de ta faute, Boma. Ok. Attends. Que voulais-tu insinuer? Par « je t'ai trompé ». Dis-moi, que voulais-tu dire par là? J'ai dit ce que j'avais à dire. Boma, que voulais-tu dire par là? Que voulais-tu dire par là? Oui, dis-moi. Je vais te tuer aujourd'hui. Que voulais-tu dire? Tu vas me tuer. Dis-moi. Naomi, tue-moi. Finissons-en. Essaye encore. Oui, tue-moi. Je vais te montrer que je ne suis pas Nancy. Si ces espèces d'idiotes t'appellent encore ici un week-end, je te jure que je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Espèce de bon à rien. Je ne t'en veux pas. Tu vas me tuer. Espèce d'infidèle. J'ai moi-même creusé ma propre tombe. Hey! Boma, tu es un idiot! Boma, tu es un idiot! Ah, Boma, j'espère que ça te donne une leçon. C'est ça! Quand on a quelque chose, on ne reconnaît pas sa valeur. C'est quand on la perd qu'on se rend compte de sa réelle importance. Hey! C'est ça qu'on appelle une commande non désirée. Ce n'est pas ce que j'ai commandé. Quand j'épousais cette fille, ce n'est pas ce qu'elle m'avait promis. Et maintenant, voilà ce que je reçois. Ha! La vie, je n'arrive pas à croire. Le 80 sur 20 m'est arrivé, donc j'ai quitté le 80 pour m'installer avec le 20. Boma, si tu sors de là, sache que tu es né pour vivre longtemps. Aïe. Ok. J'ai reçu des coups de pont aujourd'hui. La prochaine fois, ça sera une gifle. Tout ira bien. La vie d'un homme. La vie d'un homme. C'est de l'agression, ça. C'est une agression, Naomi. Ça, c'est une agression. En fait, je suis en colère. Maintenant, sors de la diable. C'est une agression. Si c'est moi qui t'avais frappé, tous les réseaux sociaux devaient être en alerte. Toutes les presses du Nigeria s'affoleraient sur le fait que je t'ai frappé. Que je t'ai battu. Mais voilà que tu m'as frappé. Mais personne n'en parle sur Internet. Cette agression ne sera pas rendue virale sur Internet. Après tout, il s'agit d'un homme. Non, il ne s'agit pas d'un homme. Il s'agit d'une femme. Ferme-moi ta gueule, espèce de bon à rien, d'infidèle. Tu parles encore? Tu parles encore parce que je t'ai pétranglé, n'est-ce pas? Je vais te percer ces gros yeux de mes propres mains. Espèce d'incapable, d'infidèle. Je ne sais pas, regarde comment tu es assis, comme un gros loser que tu es. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Ne dis rien, je vais te tuer dans cette maison. Si un jour, tu me trompes avec l'un de ces rats qui t'appelle chaque jour pour te dire les affaires par-ci, les affaires par-là, et puis je vais te briser la tête et ces deux gros yeux-là, je vais t'enlever et te les remettre. D'ailleurs, tu n'auras plus ses yeux pour voir. Toi, elle est... C'est vrai? Je te dis. Tu veux dire que ta meilleure amie t'a dit que cette nouvelle fait le tour de la ville? Que la femme de ton ex-mari le trompe avec un autre oui. homme? Oui! Hey. Tu connais le plus drôle à ce sujet?
Je me souviens quand Boma me traitait de tous les noms. De démon, de sorcière et de tout. Mais maintenant, il partage le même toit et il est marié à un vrai démon. Ça, c'est un gros problème. Mais je veux savoir, est-il au courant ou alors il la suspecte, genre? Je ne sais pas. Mais à ce que je sache, les choses comme ça finissent toujours par se savoir. Ouais, bien sûr. Ça finit toujours par se savoir. Toujours. Mm-hmm. Tu ne peux pas le cacher. En effet. Tu ne peux pas le cacher longtemps. Ok, bébé. Oui. Tu sais, quelque chose m'est passé par la tête quand je rentrais aujourd'hui. Dis-moi. Mais ne t'arrête pas. Quelque chose m'est passé par la tête quand je rentrais aujourd'hui. Et tu sais, je crois que cela sera très bénéfique pour nous. Oh, dis-le-moi. Ouais, n'importe qui peut le faire. Ok. Ouais. Ok. J'aimerais que tu prennes une assurance vie. Oui, ok. Ok, laisse-moi t'expliquer okay. en détail. Oui. Il y a deux types d'assurance vie, tu vois. L'une d'entre elles est permanente, c'est-à-dire une assurance vie. Mm-hmm. Et l'autre est une assurance vie temporaire. Ok. Ouais. Ok, supposons que tu as 30 ans actuellement okay. et que tu souscris à une assurance vie pendant 30 ans. Ok. Quand tu atteindras 60, la compagnie va te verser de l'argent comme une très forte somme d'argent. Disons vraiment? Dans les 200 millions. Quoi? Ouais, je suis pas un génie. Oui, tu es vraiment un génie, bébé. Bébé, tu es un génie. Ouais. Waouh. Ouais, parce que... Oui, mais... Le truc, c'est que je... J'aime cette idée, mais je ne pense pas avoir les moyens nécessaires pour ce dont on aura besoin. Mmh. Oui. Ce n'est pas un problème. C'est pour ça que je suis ton mari. Ouais. Je vais m'occuper de ça. Quand nous arriverons aux États-Unis, je vais m'occuper de ça. Ouais. Tu es sérieux, bébé? Ouais, c'est pour ça que tu es ma femme. Oh, c'est pas vrai, mon Dieu. Bébé. C'est tellement merveilleux d'être dans ce voyage d'amour avec toi. Main dans la main. Cœur à cœur. Cela nous sera très bénéfique parce que quand tu vas atteindre la soixantaine, nous allons recevoir 600 millions. Parce que la vérité, c'est que parfois les gens vivent encore quand l'argent arrive. Exemple, je ne meurs pas et toi non plus. Amen. Avant que nous atteignions nos 60 ans, nous aurons 200 millions. Wow. C'est vrai. Ça fait beaucoup d'argent. Ouais. Et alors, t'en fais pas, on mettra tout en place. Tu sais, à ce stade, je prie pour qu'on arrive tellement vite dans la soixantaine. Non, tu n'atteindras pas juste la soixantaine. Tu vivras jusqu'à... 100 ans, et moi, jusqu'environ 120 ans. Tant que tu seras à mes côtés, tout ira bien. Tant que tu es à mes côtés, tout va bien. Et moi, toujours. Je serai toujours à tes côtés. Toujours. Toujours. Allez, trinquons à ça. Bien sûr. Vieillir ensemble. Ouais, main dans la main. Je ferai en tout 500 millions. Oui. Ah. Mourir gagner riche. Beaucoup d'argent, je te vieillir jure. Vieillir en étant riche, je suis trop excitée. Madame, la façon dont je vais m'éclater. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? On dirait que c'est un accident. Bébé, je m'en fiche, s'il te plaît, fais un demi-tour. Nous devons l'aider. Bébé, nous ne sommes pas en Amérique ici. Nous ne sommes pas en Amérique, j'ai un très mauvais pressentiment. Mais qu'est-ce que tu racontes, ce mec? Bébé! Ce mec bébé, a une famille. Nous ne sommes pas en Amérique ici. Je dois l'aider. Où est-ce que tu vas? Je dois l'aider. Hey. Oh mon Dieu! Ah!
Ouvre, ouvre le portail. Monsieur, où est votre voiture? Que s'est-il passé? Ouvre ce portail. Je suis en train de l'ouvrir. Dites-moi, que s'est-il passé? Ils ont kidnappé mon épouse. On l'a kidnappée. Kai, où est-elle? Mais qui aurait kidnappé madame? Pour quelle raison est-ce qu'on aurait kidnappé madame? Il vaut mieux que je parte d'ici avant qu'on ne me kidnappe moi aussi. Allô, Dallas? Vous devez vraiment vous dépêcher. Que tout ça ait l'air d'un braquage. Parce que je dois aller à la banque et retirer l'argent de l'assurance, tu comprends? Comme ça, tout le monde sera heureux. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes au juste? Que s'est-il passé? Comment as-tu pu laisser ça se produire? Comment? Mais comment est-ce qu'une femme a-t-elle pu échapper à une bande de braqueurs? Vous êtes malade? Hein? Bande d'idiots! Mais comment? Je puis vous l'assurer, madame est revenue! Quoi? Elle est de retour, je vous jure! Où est-elle? Allez juste ouvrir le portail! Elle est là, attendre dehors, je vous jure! Seigneur, mon épouse, elle va bien? Elle va bien, je vous jure! Elle était en train de pleurer, je lui ai dit « Madame, désolé !» Seigneur. Merci, Seigneur. Tu as réussi à t'échapper. Calme-toi. J'étais au téléphone avec l'inspecteur. Afin qu'il lance des recherches contre ceux qui t'ont kidnappé. Bébé, cesse de pleurer, ok? Nous allons traverser ça ensemble. Laisse-moi t'amener à l'intérieur pour que tu te reposes. Je dois retourner voir la police. Bébé, je dois aller porter plainte pour ma voiture. Ils l'ont emportée. Allons-y, s'il te plaît. Allez. Seigneur, si quelque chose t'était arrivé, qu'est-ce que j'aurais dit? Mon épouse. Seigneur. Je n'arrive toujours pas à croire que tu t'es enfui sans moi. Et tu dis pourtant m'aimer. Non, ne le prends pas comme ça. J'ai cru que tu étais derrière moi. Ouais, pour ne pas faire de toi une veuve. Avant de me rendre compte que tu n'étais pas derrière moi. Ouais. Samy, comment aurais-je pu m'enfuir? J'étais arrêtée par deux hommes. Et t'as fait comment pour les échapper? Eh bien, je crois qu'ils m'ont vue et qu'ils m'ont prise pour un ange, pour une fille naïve et stupide. Alors, quand ils ont baissé la garde, j'ai couru. Samy, tu m'as vraiment déçue. Je dois l'avouer, je suis vraiment très déçue. Comment? Attends, tu voulais ma mort? Ils ont posé leur couteau sur mon cou. Donc tu m'as laissé mourir là-bas? Écoute, bébé, je suis désolé, mais je suspecte ton ex-mari. Il a quelque chose à voir avec tout ça. Non, c'est impossible. Boma pourrait être tout, mais il n'est pas un meurtrier. Quoi? Es-tu en train de le défendre? Et tu me traites de menteur? Non, je dis juste que Boma pourrait être entêté et dur à cuire, mais il n'est pas un meurtrier. Boma est très indulgent, et même s'il avait un problème avec moi ou quelqu'un d'autre, il m'en aurait parlé, mais Boma ne m'a rien dit. Qui l'a planifié alors? Je ne sais pas. Est-ce que tu as des ennemis? Quoi? Oui. Est-ce que tu es en train de dire que j'ai quelque chose à avoir avec tout ça? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Et qu'est-ce que tu racontes alors? Attends. T'es en train de m'accuser?
Je n'ai pas dit ça. S'il te plaît, où est-ce que tu vas? Tu veux me laisser dans cet état? Tu veux vraiment me laisser alors que je suis brisée? Je ne peux pas rester avec une peste. Oui, c'est ce que tu es. Je ne peux pas rester avec quelqu'un qui m'accuse chaque fois qu'il y a un problème dans cette maison. Samy... Hey, ferme ta bouche. Ne m'adresse plus la parole. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, ce n'est pas de l'amour, c'est... Ça, ce n'est pas de l'amour. Boma ne m'aurait jamais fait une chose pareille. Il ne m'aime pas. Samy ne m'aime pas. Ça, ce n'est pas de l'amour du tout. Ah, ma puce. Donc t'aurais pu mourir juste comme ça. Que Dieu nous en préserve. Ce que Dieu a vraiment fait d'ailleurs. Il l'a vraiment fait. Et toi, madame, je t'ai appelée pour t'en parler. Pourtant, toi, tu étais déjà hors de ce pays. Hors de ce pays avec un homme. Juste comme ça. Ah! Qui parle? Voyons. Pardon, 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 pardon. Ne m'embrouille pas. Tu as littéralement épousé l'homme de ta vie. Et tu nages dans le plein bonheur. Pardon, laisse-moi prier mon Dieu afin d'avoir également la moitié de mon cœur. Moi qui ai toujours souhaité être comme toi. Mais j'ai toujours voulu être à ta place, tu sais. Je ne sais pas à propos de ça. Ah ah, comment ça tu ne sais pas? Je ne sais pas. Est-ce que t'es pas heureuse? Je ne sais pas. Nancy? Samy vénère pratiquement le sol sur lequel tu marches. Comment fais-tu pour ne pas être heureuse avec lui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, si. T'es encore amoureuse de Bona? Non, je ne le suis pas. Non, il ne s'agit pas de ça, non. Non, si. Tu connais la raison pour laquelle tu avais quitté Samy? Il a toujours été cet homme merveilleux et charmant qu'il est aujourd'hui. Mais tu l'as quitté parce que tu ne l'aimais pas. Tu te souviens? Alors pourquoi tu pensais que cela changerait? Parce que... Parce que quoi? Aïdje, j'ai cru que j'allais trouver le bonheur. Après avoir quitté Boma pour épouser Samy, j'ai cru au moins. Vu la façon dont Boma et moi nous nous battions tout le temps. J'ai cru que j'allais enfin trouver un peu de bonheur et de paix. Mais je ne sais pas. Ça va. Tout ira bien. Je pense que vous avez juste besoin de temps. Non. T'inquiète, tout ira bien. Hein? Bref, ok, ok. Revenons en arrière. Je revois mon amie que je n'avais pas vue depuis longtemps. Alors, ma belle, dis-moi. C'était comment? Je veux tout savoir. J'ai bien dit tout. Dis-moi absolument tout. Madame, il n'y a rien à raconter. A-t-on rencontré Albert? Pour l'instant, nous parlons de Samy et toi. Écoute, attends. À quoi ressemble le mariage avec Samy? Dis-moi, je suis très curieuse de le savoir. Honnêtement? Ouais. Il y a quelque chose de sombre chez lui, tu vois. Quelque chose d'étrange, quelque chose de sinistre. Je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas ce que c'est, mais je continue de prier. Je prie Dieu de me le révéler, mais je ne sais pas du tout. Je n'arrive pas encore à le discerner, mais c'est quelque chose de louche. Tu sais qu'on dit que l'amour est aveugle. Mais j'ai l'impression que le mariage est le contraire. Ma chérie, eh bien, je vais te le dire gratuitement. L'attirance, ça c'est facile.
C'est la partie la plus facile, mais ce truc qu'on appelle l'amour. Avant de dire que tu y aimes quelqu'un, tu dois le connaître. Je veux dire, le connaître. Connaître cette personne parce que... Ce que je vois, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Non, si. Tu me fais peur. Oh. Peu importe, Prince Albert, dis-moi. Ah, avec ce que je viens d'apprendre, je ne crois pas le connaître. Je ne suis pas sûre de le connaître. Ah, je suis désolée. Parle-moi de lui. Tes gars et toi, vous n'êtes que des crétins. Ma voiture a une odeur de merde. Vous avez mangé de la sauce au bono dans cette voiture? Oh oui. Ah, c'est vrai. Tu sais, le jour où les gars voulaient rendre la voiture, ils ont garé au poste de police afin qu'ils puissent te le rendre facilement. Ah ouais, c'était ce jour-là. Ah, Seigneur. Mais c'est quoi ça? Et ok, maintenant... Qui a volé l'argent que j'ai laissé dans ma voiture, les 10 000 Naira? Aucune idée. C'est peut-être l'un de mes gars qui l'a pris pour s'acheter une cigarette. Mais attends, pourquoi tout ce tas de questions? On devrait en principe parler de la somme que tu es censé me payer. Et aussi, pour me remercier des efforts fournis pour mettre fin à la vie de cette femme. Tu es fou? Tu es malade? Te payer pour quoi, juste? Te payer pour avoir échoué? Hein? Je ne le ferai pas. Rappelle-toi que j'ai payé pour ton ticket. Pour que tu viennes au Nigeria, n'est-ce pas? Et je t'ai donné suffisamment d'argent pour tes besoins. Je l'ai fait. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accomplir ta mission et quitter ce pays. En attendant l'argent de l'assurance. Tu vois? Et tout le monde sera content. Et cette femme qui m'a rejeté sera récompensé dans sa tombe. Écoute mec, tu sais, moi je veux retourner aux États-Unis. Tu ne le feras pas. Tu ne feras pas une telle chose. Tu dois tenter un autre coup. Mais cette fois-ci, je dois très bien tout planifier pour que vous ne fassiez plus d'erreurs. D'accord boss. C'est toi le boss. Bébé, cette sauce m'a l'air délicieuse. Et pourquoi ça sent bon à ton avis? Pourquoi? Non, sérieux, je veux comprendre un truc. Tu veux dire que tu vas rester là et me regarder préparer pour toi? Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Bébé, mais arrête. Ah, ce n'est pas toi qui me chasse toujours hors de la cuisine à chaque fois que je m'apprête à préparer. Je sais très bien que tu aimes cuisiner. Hein, mon chéri? C'est de la courtoisie. Mais à présent, cette histoire est sur le point de terminer. Exact. Tu ne peux pas juste t'asseoir et me regarder cuisiner. Ça ne se fait pas. On ne fait pas ce genre de choses. Je ne vais pas accepter ça. Et à présent, je suis devenu la femme et c'est toi l'homme de cette maison. Je n'apprécie pas ça. Merci, monsieur. Je ne l'apprécie pas, je suis sérieux, je dois te le dire. J'ai compris. Je dois te le dire. Tu t'assois pour que je te fasse à manger. Tu ne manges pas? Parce que c'est pas toi qui l'as préparé. Je veux comprendre un truc. Tu veux dire que tu t'assois et tu me regardes aller dans cette cuisine faire à manger pour toi? Puis tu vas ouvrir ta bouche pour manger? Hein? Tu es courageuse. Tu es vraiment courageuse.
Samy, je cuisine aussi. Je ne dis pas le contraire. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Je sais que tu as l'impression que je t'aime beaucoup trop. Et que pour ça, je ferai tout ce que tu voudras que je fasse. Que pour cet amour, peu importe ce que tu voudras que je fasse, je le ferai. Madame, je t'aime, oui. Mais te servir pour le restant de mes jours, ça jamais. Samy, allons-nous vraiment nous battre pour une affaire de cuisine et de nourriture? Bagarrer? Avec qui? Tu me connais. Je ne bagarre pas. Je ne bagarre pas, madame. Je ne fais que te dire la vérité. Merci de me dire la vérité. On dit que le cœur pur te rend libre. Oui. Comme la vérité par rapport au fait que tu m'es convaincu d'abandonner mon foyer pour m'emmener ici et puis changer tout d'un coup. Et aussi pour ne m'avoir pas dit que tu allais désormais me traiter comme un vieux chou. Merci pour la vérité. Du vieux chou? Du vieux chou? Tu te sous-estimes à ce point? Hein? Dis-moi, quand était la dernière fois que t'as fait du jogging le matin? Vois-tu, aux États-Unis, tu sais ce que font les femmes? Elles se réveillent très tôt le matin et commencent à faire leur jogging pour rester en forme pour leur mari. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tout ce que tu sais faire, c'est t'asseoir et manger encore et encore. C'est tout ce que tu fais. Même lorsque le soleil se couche et que je te demande d'aller faire les 100 pas, tu refuses de le faire. Samy, tu sais que j'ai encore une peur bleue, n'est-ce pas? Tu sais que je suis encore paranoïaque depuis cette attaque. Ah bon? Comment peux-tu t'attendre à ce que je fasse du jogging en soirée? Comment? Je... Attends, étais-tu la seule à se faire agresser? N'étais-je pas là? Je t'ai posé une question. Hein? Et pourtant, je sors toujours de cette maison pour nous ramener de l'argent pour nous faire à manger. Bonne nuit, Samy. Bonne nuit. Bonne nuit. N'importe quoi. Tu t'assois et tu me regardes aller dans la cuisine te faire à manger. En tant que qui? T'es une madame, n'est-ce pas? Madame! Où vas-tu? Je vais marcher. Oh, mais c'est super. Et alors, tu vas de quel côté? Je vais probablement parcourir la cité et voir si je pourrais continuer vers Eclamaroth ou quelque chose dans le genre. Eclamaroth? C'est pas mal. Tu sais quoi? Vas-y, ne t'en fais pas. Je te rejoins. Ouais, le temps de monter me changer. Ok, dans ce cas, je peux t'attendre. Non, non, non. Vas-y, je te rejoins. Bébé, s'il te plaît. Tu sais que j'ai peur. Bébé, je t'ai dit de partir. Je vais te rejoindre. Va commencer au moins. Hein? Je te rejoins. Allô? Elle est en route en ce moment. Allez-y et bousculez-la. Faites du bon boulot. Je ne veux pas d'histoire. Ok.
kidnappeurs, des kidnappeurs. Aidez-moi, aidez-moi. Bébé, bébé, rentrons, rentrons. Pourquoi? Ces gars qui m'ont kidnappé la dernière fois, je les ai revus. Ils ont encore tenté de me kidnapper. Ils essayent de te kidnapper. Oui, allons-y. Pourquoi? Ah, c'est la peur ou alors tu deviens paranoïaque. Pourquoi voudront-ils te kidnapper? As-tu de l'argent sur toi? Est-ce que t'as l'argent sur toi? Pourquoi est-ce qu'ils vont te kidnapper? Tu penses que je mens? Mais pourquoi voudraient-ils te kidnapper? Est-ce que t'as de l'argent? Bébé... Rentrons. Madame, allons faire notre jogging. Allons faire ce jogging, ah. Allons brûler ces graisses. Brûlons toutes ces graisses. Allons faire ce jogging. Je ne suis pas grasse, c'est toi qui es gros. Ah. Ok, reste là. Pas de problème. Samy, mais reviens, Samy. Prends soin de toi, madame, ils viendront te kidnapper. Et quoi de neuf, frangin? Ah, ah, Larry? Ah, des chips. Tu es mon sauveur. Vraiment? Larry, mon sauveur. À cause des chips? Tu n'as pas idée de ce que je viens de faire. Dis-moi, où est-ce que tu les as achetés? Au supermarché d'en haut. C'est très bon. T'as pas idée de ce que cela signifie pour moi en ce moment? Oh, vas-y doucement, mec. Doucement. On dirait que t'as rien mangé depuis des jours. Tout va bien? Quoi? Ça fait des jours que je n'ai pas mangé un bon repas fait maison. Tu ne sais pas ce que j'endure. Je me nourris comme un oiseau du genre. Je mange un peu de partout. C'est comme ça que je survis. Ah ouais? Je te le dis. Ta femme ne sait pas cuisiner? Comment est-ce possible? Ma femme? Mec. Oublie cette histoire, en ce moment je ne suis pas un homme marié. Je te le dis, j'ai juste une colocataire. Tu sais qu'elle rentre, elle reste dans son coin et moi dans le mien. Même quand elle a du temps, elle ne... Non mais va te faire manger dans la cuisine, pourquoi ça? Qui es-tu? Une femme contemporaine, elle ne cuisine pas. J'ai vraiment très très faim, il n'y a rien à manger dans cette maison. Cette maison est très vide. Elle est toujours occupée, autant que moi. N'est-ce pas cette même Naomi qui disait que Nancy ne prenait pas bien soin de toi, mon frère? Ah oui, tu t'en souviens? Je m'en souviens. Ah, si j'avais un homme comme vous. Je vais vous servir comme un roi. Je vais vous traiter comme un roi. Je vais vous adorer, vous tousser, je vais tout nettoyer. Je vais nettoyer le sol sur lequel vous allez marcher. Je vais baiser vos pieds. Ah, lorsqu'on parlera, que tu me diras de me taire? Je le ferai. Oh, mon pote. Regarde-moi. Honnêtement, je suis désolé, mec. Cette affaire est vraiment terrible. C'est terrible. Alors, c'est quoi ton plan? Plan? Je n'ai aucun plan. Je ne sais quoi faire de ça. Je n'ai pas de plan. Je n'ai aucun plan. Je n'en ai pas. Maintenant, je comprends l'adage qui dit que le diable qu'on connaît est mieux qu'un ange qu'on ne connaît pas. Oh, s'il te plaît, ne parlons même pas de Nancy. Naomi n'est rien comparé à Nancy. Nancy est un ange comparé à... Naomi est une sorcière. Tu sais quoi? Parfois, quand j'y pense encore, je me dis que... Oh, mec, je crois que j'ai fait une erreur. Je t'avais prévenu. Ah non, non, n'allons pas là-bas. N'allons pas là-bas, je t'en prie, n'allons non, pas là-bas. Admets que je te non, laisse. Ne jouons pas ce jeu, s'il te plaît. Laisse-moi manger mes chips. En passant... Nancy, c'est une bonne femme. Merci beaucoup. Pourquoi n'es-tu pas venu avec à boire? Un peu à la noche, j'étais ton fils. Tu voulais que je te le rappelle? Allez, je ne suis pas Naomi. Tu n'es pas un homme romantique. Je ne suis pas tu Naomi. Tu apportes les chips sans la boisson. Je t'apporterai à boire, t'en fais pas. Sans mentir. Parfois... J'ai juste envie d'appeler Boma. Juste pour prendre de ses nouvelles, pour lui poser des questions. Genre, comment est-ce qu'il va? Est-ce que cette fille prend bien soin de lui? Est-ce qu'il va bien? Non, c'est qui pourrait t'en vouloir? Hein? Qui pourrait te blâmer de te sentir ainsi? Quel homme traiterait sa femme comme Samy le fait à ton égard? Surtout après une expérience aussi émouvante. Mais peut-être Boma a déjà tourné la page maintenant. Aïe, je souhaiterais. Ah! Je sais. J'ai merdé. Ah! Samy est sombre. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a quelque chose. Quelqu'un t'a déjà souri et puis tu te dis en toi que c'est un sourire hypocrite. Et à chaque fois que je m'approche de lui, j'ai la chair de poule. Je peux ressentir l'obscurité qui émane de lui. Le même Samy. Tu vas croire que
je dépasse les bornes. Mais Aïdjé, je pense qu'il me déteste. Honnêtement. Les gens changent. Ah ah! Ce n'est pas ce beau, cet adorable Samy, qui était super galant quand il te courait après. Au fil des années, qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Ah, Nawao. Peut-être que il y a quelque chose qui l'a changé, qui sait. C'est pourquoi... Ma chérie, je pense que tu aurais dû faire une vérification des antécédents avant le mariage. Je me disais la même chose. Parce que je me rends compte que... Aïdjé, entre... Je ne savais vraiment rien de lui. Entre le temps où on s'était séparés et le temps où on s'est remis ensemble. Oui, tu ne connaissais vraiment rien de lui. Il ne m'a jamais parlé de lui. La seule chose qu'il a dit, c'était le fait qu'il était marié quand il était aux États-Unis et qu'il avait ensuite divorcé. Qu'il avait divorcé ou quelque chose dans le genre, oui, c'est tout. Tellement vague. A-t-il mentionné les raisons? Je crois qu'il a parlé de différents irréconciliables. C'est tout, c'était tellement vague. Samy me dit des choses. Samy ose me dire des choses. Après tout ce que j'ai enduré, après avoir failli perdre ma vie, Samy me parle sans vraiment se soucier de quoi que ce soit. Boma n'aurait jamais fait une chose pareille. Mon ami, j'ai merdé. Je l'admets. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce que j'avais à faire, c'était de ranger après Boma. Ce n'était pas si dur. Beauté, ça va. Ce n'était pas si dur, pour être honnête. Si quelque chose n'était pas à sa place, j'aurais dû le ranger. C'est bon. Tu sais, parfois, quand la maison était en désordre, j'aurais dû tout remettre en ordre. Qu'est-ce que j'ai mal? Qu'est-ce que j'ai mal? Aïdjé, j'aurais dû être patiente. J'aurais dû être patiente. Oh non. Oh, j'ai merdé. J'ai merdé. C'est bon, ça j'ai va merdé. Aller. Aïdjé. Ma chérie, ça va aller. Tout ira bien, ça va. J'ai merdé. Ça va, princesse. C'est bon. J'ai merdé. C'est bon, je suis sûre que tout ira bien. J'ai merdé. Arrête de pleurer, ma chérie. J'ai tellement merdé, Aïdjé. Arrête de pleurer, tout s'arrangera, mon ami. J'ai merdé. Nawao. Je ne sais vraiment pas quoi te dire à ce stade. Thank you.
Est-ce que tout va bien, bébé? Moi? Ouais. Tu m'appelles encore bébé? Ha! Je l'ignorais. Je croyais que l'amour s'était refroidi. Refroidi comme une sauce égoussie. Je ne savais pas. De toute façon, je vais bien. Pourquoi? Tu vois, depuis ce matin, tu ne m'as pas adressé la parole. Je t'ai énervé? Ou j'ai dit un truc qui ne t'a pas plu? Non. Je suis juste fatiguée. Tu sais quoi? Je vais me coucher. Ok. Quand tu seras dans cette chambre, assure-toi de te reposer. Ouais, parce que je sais ce que tu vas faire. Tu iras rester planté sur ton téléphone. Avec Idie, je crois, ta meilleure amie. Je veux te poser une question, bébé. Comment est-ce que vous arrivez à faire ça? J'ai remarqué que toutes les femmes de ce pays, elles adorent rester femmes au foyer. Pourtant, là dehors, il y en a qui bossent. Il y en a qui accomplissent de grandes choses pour leur famille, en dehors de leurs obligations conjugales. Tu sais quoi? Parce qu'aucun homme ne voudrait s'installer avec des femmes au foyer. Ok. Je vais juste aller au lit. Parce que si je reste là, tu vas m'atomiser avec tes paroles. Maintenant, tu me traites de bavard. Oui! Désolée. Non. D'accord? Attends. Attends, bébé. Tu viens de me gronder? Attends. Tu viens de me crier dessus? Parce que j'ai corrigé ton erreur? Pourquoi est-ce que tu me corriges? Pourquoi? Mais par rapport à ce que tu Pourquoi vas faire... Pourquoi me corriges-tu sur quelque chose que je n'ai même pas encore fait? Tu hurles. Oui, oui, parce que tu me pousses à bout. Tu me pousses à bout. Tu me pousses à bout avec ta bouche et tes tu paroles. Tu contrôles ton langage. Contrôle-le. Puisque ta bouche est une arme pour me manquer du respect. Surtout, n'oublie pas que j'ai toujours mes points. Te corriger. Je suis désolée. Viens par ici. Contrôle ton langage. Désolée. Ce n'est pas possible. Ah! Donc, c'est comme ça que les hommes sont bons quand ils sont dehors, mais quand ils nous mettent dans leur maison, au nom du mariage, ils changent. Ah! Alors, tout ce que Sammy faisait, c'était de la comédie. Je n'ai jamais eu autant peur de ma vie. Au moins, Boma, lui, c'était sa bouche qu'il utilisait pour me battre. Si Sammy lui fait sa part, ce sera une mort sur deux scorpions. Ah! Et la façon dont cet homme vient de me regarder, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Comment quelqu'un peut avoir un regard aussi farouche soudainement? Ah! Si Sammy me frappe, c'est que je suis morte, c'est que j'en mourrai, c'est que je suis morte. Bébé, est-ce que tout va bien? Ouais, il n'y a pas de problème. Je suis venu te tenir compagnie. Tu sais, ma... ravissante épouse m'a laissé tout seul en bas. Je me sentais seul, alors j'ai décidé de venir rester avec toi. Tout va bien? Oui. Ok, oui, je vais bien. Ok. T'es sûr que ça va? Ça va très bien. Mon amour. Ah.
Mon bébé. Tu vas bien, n'est-ce pas? Oui. Tu dois être en forme pour moi. Hein? Tu as besoin de quelque chose? Non, ça va. Ça va. Tu ne veux rien? J'ai juste envie de me coucher un tout petit peu. Mmh. Oui, je suis épuisée. Oui. Ok. Couchons-nous alors. Ah, tous les deux. Ouais, allons-y. Ok. C'est pas possible. Hé, hey, est-ce que tu m'écoutes? Chut! J'ai fait des textos à mon ex-femme. Quoi? Ouais. Ton ex-femme? N'est-ce pas la femme de quelqu'un d'autre? Allez, arrête de la contacter. Elle est mariée à quelqu'un d'autre maintenant. Oui, mais elle a d'abord été mariée à moi. Et alors? Hé, hey, je ne sais pas, mec. Ne me juge pas. Ça fait longtemps que ça me fait... Ça me fait plaisir de lui parler. Bouma, quand je vois les amis venir, je te préviens toujours. Tu me connais et je te le dirai toujours, crois-moi, tu le sais très bien. Et je t'apprécie pour ça. Allez, vous êtes séparés. Vous êtes mis en couple avec d'autres personnes. Et vous envoyez des messages maintenant. Vous trompez vos partenaires. Dis-moi comment ça s'appelle, si ce n'est pas un film. Bouma. Trompé, ça non? Oui. Non, 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 ça n'a vraiment rien à voir. Alors que se passe-t-il? Oh. Dis-moi, est-ce que tu aimes Naomi? Non, ne me fais pas ça, Larry, ne me demande pas ça. Non, ne me fais pas. Ne me fais pas ça. Ok, ok. Écoute, j'ai rencontré Naomi et elle m'a fait croire qu'elle sera la femme la plus adorable que je n'aurais jamais connue. Je veux dire, c'est l'impression qu'elle m'a donnée au départ, tu vois? Et soudainement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, elle a changé. Tu sais, elle a changé, elle est devenue une femme très, très amère. Très amère. Très amère, vraiment très, très, très amère. Très amère. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Écoute, Bouma, si jamais tu veux te distraire, comme il y a tellement de façons dont tu pourrais le faire, tu peux te distraire comme tu veux. Trouve un moyen de le faire, tu sais. Mais pas avec Nancy. Je suis sérieux. C'est noté. Mais il ne s'agit pas simplement de moi. Mais pourquoi avons-nous cette conversation? Pourquoi parlons-nous de Nancy? tu vois ce truc, il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal à ça. Tu sais, nos conversations sont inoffensives. Tu sais, il n'y a rien de mal. Ouais. Quand tu te fais des films, c'est ton travail. C'est inoffensif. S'il te plaît, allons manger quelque chose, j'ai faim. Très bien, faisons ça. Alors, tu ne comptes pas me payer? Bien sûr. Pourquoi veux-tu que je te paye? Pourtant, tu as tout fait foirer. Ok. Il est évident que tu ignores comment les choses se passent ici. C'est la vérité. Tu ne fais que gaspiller mon argent pour rien. Écoute, je vais embaucher une autre personne qui comprend comment les choses se passent ici. C'est la meilleure chose à faire. Si ça ne dépend que de toi, monsieur, tu ne sais absolument rien d'ici. D'accord, pas de problème. Écoute... Tu sais que tu m'as déçu. Je sais. Tu le sais. Et autre chose, je ne veux plus que nous soyons vus ensemble. Et tu dois arrêter de m'appeler pour que je te rejoigne n'importe où. Tu dois arrêter cela. Tu dois aller changer ton ticket d'avion pour retourner aux États-Unis. Ok? Pas de problème. C'est tout. On peut aller ensemble. Au moins ça. Au moins quoi? Que je te dépose? Comment? Monsieur, avancez là-bas. Ça veut dire quoi que je te dépose? Pour quelle raison? Ogé maninoa, ogé manini, chebe de micro. Il ose me demander de le déposer.
Bébé. Oh. Oh. Bébé. Comment tu vas? Je vais bien. Bienvenue. Ok. J'espère que le boulot s'est bien passé. Bien, merci. T'as fait à manger? Je vais rapidement me changer. Allez. Non, tu es restée très silencieuse. Tu sais, je t'ai demandé si tu étais heureuse et tu n'as rien dit. Je ne te dirai rien si tu ne me dis pas si tu es heureuse. Hein? Ce que je veux? Tu sais ce que je veux, hein? Oui, oui, tu le sais. Mais arrête. Oh mon Dieu, c'est si bon de parler de nouveau avec toi. Ça faisait très longtemps. Ah. Ok, d'accord. Ok, à plus. Bye bye. Monsieur, à qui parlais-tu avec ce grand sourire sur le visage? Larry, mon pote. Quoi, tu as besoin de quelque chose? J'ai besoin de me marier, ou alors tu penses dormir ici ce soir? Depuis quand? Non, mais s'il te plaît, je veux savoir. Depuis quand? C'est quand la dernière fois que tu t'es vraiment soucié de ma petite personne, Naomi? Écoute, Bouma, ce soir je ne suis pas d'humeur pour tout ça. S'il te plaît, entre qu'on aille se coucher ensemble. Ou alors tu veux rester là, continuer à causer avec ton ami Larry? Et souris comme si tu parlais avec une fille. Tu ne viens pas? Je te rejoins. Sorcière. Dis-moi la vérité, avec qui parlais-tu au téléphone? Parce que je vais te tuer si jamais tu me trompes. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Alors, t'es prête à me tuer maintenant? Oui, ça c'est si jamais tu me trompes, parce que toi et moi savons tous les deux que tu ne causais pas avec Larry au téléphone. C'était Larry. Et personne d'autre. Et personne d'autre. Ok.
Tu sais, avant qu'on ne se marie, toi et moi avions quelque chose. Nous avions une affaire en dehors de ton mariage avec Nancy. De quoi est-ce que tu parles? Je n'avais jamais trompé ma femme avec toi, non? Non, 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 ne va pas, ne viens pas là. Tu me faisais des avances et je t'avais nargué. Est-ce que tu as oublié? Est-ce que tu as oublié? Tu penses que je ne voyais pas comment tu regardais mon corps? Hein? Tu penses que je ne voyais pas comment tu me regardais à chaque fois que j'entrais dans ton bureau? Non, mais jamais je ne t'avais regardé avec passion. Je ne l'avais jamais fait. Tu étais ma secrétaire et j'étais un homme marié et je respecte ma petite personne. Ok, pas de souci. Homme respectable, puis j'avoue ton téléphone. J'aimerais voir la dernière personne que tu as appelée ou la dernière personne qui t'a appelée. Puis j'avoue ton téléphone, puis-je la voir? Je suis désolé, je ne peux pas te donner mon téléphone. Mon téléphone est un effet personnel. Il n'y a pas d'intimité dans le mariage. Puis-je avoir ton téléphone? Bien. Il y a de l'intimité dans le mariage parce que si toi et moi nous sommes mariés, je n'ai jamais demandé à voir ton téléphone. Je le fais parce que je respecte ta vie privée. Où est-ce que tu t'en vas? Reviens ici. C'est de toi que je parle. Tu penses que je suis Nancy? Reviens ici. Je ne suis pas Nancy. Reviens quand je te parle. Monsieur, monsieur, bonne journée, monsieur. D'accord. D'accord, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment ça va? Je vais bien. Je m'appelle Boma. Ok. Je suis le frère de madame, j'ai un message pour elle, je suis venu pour la voir. Madame, elle est là. Dis-lui que notre mère est malade, hey, que je veux la voir. Hey. Attendez, monsieur, donnez-moi quelques minutes, j'arrive. Merci. J'arrive, vous pouvez compter sur moi. Merci. Fais qu'elle comprenne, Seigneur. Boma, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi es-tu venu ici? Oui, je suis là. Je peux voir à travers la fenêtre. Je suis à l'étage. Mais pourquoi est-ce que tu as dit que tu es mon frère venu du village? Et si Samy te voyait? S'il te plaît, va-t'en. Tu ne sais pas de quoi il est capable. Tu ne sais pas ce que Samy me ferait si jamais il te voyait là. Quoi? Non, répète. Il te frappe? Non, non, dis-le encore. Il te frappe? Il lève la main sur toi? Qui est-il pour lever la main sur toi? Hein? Oga! Oga, madame a dit de vous dire qu'elle va vous téléphoner. Chut, je suis en train de causer avec ta patronne. Mais voyons, ma chérie, Est-ce que je peux te voir, s'il te plaît? Est-ce que je peux te voir? Elle a dit qu'elle n'a pas d'argent. Envoyez. Laisse-moi te voir, ok? Non. S'il te plaît, va-t'en. Je t'en supplie, va-t'en. Cet homme ne te mérite pas. Je t'en prie, quitte-le et reviens avec moi. J'ai peur de lui. J'ai peur, il va me tuer. Je vais divorcer de Naomi si tu reviens avec moi, je te donne ma parole. Ok, s'il te plaît, reviens-moi, quitte-le pour moi. Le quitter et faire quoi ensuite? Te suivre? Boma, s'il te plaît, tu es mariée. Qu'est-ce que... Boma, s'il te plaît, c'est trop tard pour ça maintenant. Que diront les gens? Que diront nos amis? Nos amis deviennent ennemis à cause de nous. Ceux qui ont pris ta défense et ceux qui ont pris la mienne, que diront-ils si jamais on se remettait ensemble? De quoi est-ce que tu parles? Quoi? Alors tu préfères qu'on sacrifie notre amour pour faire plaisir à nos amis? Mais voyons, écoute, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de nous.
Ok, Nancy, est-ce que tu m'écoutes? Il s'agit de nous là. Ok, tu sais quoi? Écoute ce que je vais te dire. Ok, si on se met ensemble, c'est notre problème. Ils comprendront. Si on se met ensemble, ils finiront par comprendre. S'il te plaît. Boma, s'il te plaît, c'est trop tard. Va-t'en. On pourra continuer à parler par téléphone, mais... S'il te plaît, ne reviens plus ici. Je t'en prie, Nancy, Nancy! Nancy, allô? Oh. Monsieur, où est-ce que nous allons? Je ne sais pas. Roulez simplement. Ne vous arrêtez pas. Laissez-moi n'importe où, mais ne vous arrêtez pas. Si vous êtes à court d'essence, je ferai le plan du véhicule. Ok? Vous n'avez rien à craindre. Vous me comprenez? Ne vous arrêtez pas. À la fin de la journée, je vous paierai. Je vous paierai. Je veux juste vider la tête. Oui, je ne peux pas parler à voix haute. Il y a mon mari qui dort dans la pièce d'à côté. Merci. Tu me fais crier.
comment était ta journée? Bonjour, mon cœur. Bonjour, mon cœur. Où vas-tu? À Abuja. J'ai une réunion dans 4 heures. Tu ne m'en as pas parlé? J'ai été informé à la dernière minute, mais partenaires m'ont programmé. Et tu y seras pendant combien de temps? 4 jours environ. Ouais. Ok. Ça ira, j'espère. Oui, ne me manque pas trop. Ok. Je t'aime. Hein? Laisse-moi t'accompagner. Non. Assieds-toi. Fais ce que tu sais faire. Puisque tu ne veux pas travailler, prends soin de toi. Ok, à plus. Ah, vraiment? Bien, je t'appelle parce que Samy ne sera pas là. Pendant quelques jours. Je crois pas avant mardi prochain. Et tu sais, je suis sur le point de demander à mon gardien de prendre sa journée et de t'inviter chez moi si tu es d'accord. Oh oui, je veux dire, j'aimerais vraiment te voir. Oui. Oui. Oui, j'aimerais juste passer un peu de temps avec toi. Tu me manques vraiment. Je suis sûre que tu peux me voir rougir en ce moment. Oui. Oui. Oui, tu vois, j'aimerais que tu, je ne sais pas, va quelque part. Tu sais, tu vois, va quelque part et prends du bon temps, va te relaxer. Vas-y, amuse-toi, c'est clair? Vous me le donnez? Tu sais quoi, rajoute ceci dessus. Vas-y, non, c'est bon, vas-y. Ah, madame, c'est bon, madame. Oui. Hey, Walaï, cette patronne est trop gentille. Tout cet argent, Walaï. Hey, autant d'argent pour moi tout seul. Allô? Salut, bébé. Oui, c'est fait. Alors, tu peux venir à présent. On dit souvent qu'il faut bien faire son travail. Et voilà que par-dessus le marché, on me donne des vacances maintenant. Et madame me donne de l'argent. Je suis vraiment content. Je vais m'assurer de correctement fermer cette porte. Wallahi, si quelqu'un par derrière rentre, c'est pas mon problème. Wallahi. Je suis impatiente de te voir. Je veux t'embrasser. Ah, oups. Je n'arrive pas à croire que je l'ai dit, j'ai dit ça. C'était une erreur, je rigole. D'accord, bye. Oui. Thank you.
mon Dieu, regarde-toi. Viens là. Tu m'as manqué. Tu m'as aussi manqué. Tu vas bien? Est-ce que ça va? Oui. Hein? Viens là. Allez, tu me demandes pas de m'asseoir ou quelque chose du genre? Pourquoi? D'accord, je suis désolée, assieds-toi. Merci, mais non. J'ai quelque chose pour toi. Oh! Ouais. C'est quoi? Qui est-ce? Oh non, probablement le gardien. Il a dû oublier quelque chose. Oh, ok. Je ne sais pas. Ah, Seigneur! Oh. Quoi? C'est qui? Qui est-ce? Sammy. Ah. Hey. C'est clair, il t'a permis. Hey. Il t'a permis. Hey. Tu sais quoi? Qu'il entre et qu'on en finisse une bonne fois pour toi. De quoi? De quoi est-ce que tu parles? On finira avec ce meurtrier qui retient ma femme. Ton ex-femme? Tu sais quoi? Pourquoi le traites-tu de meurtrier? Tout y est dans cette lettre, mais pour l'instant, va te faire entrer, il frappe. Fais-lui entrer. D'accord, qu'on en finisse. S'il te plaît, je t'en supplie. Je t'en supplie, s'il te plaît. Cache-toi. Cache-toi quelque part. Je vais m'en occuper moi-même, s'il te plaît. Mais je rêve, ne me demande pas de me cacher. Boma, s'il te plaît. Boma, s'il te plaît. Pour moi. Boma, pour moi. Mais voyons, ne me demande pas de me Boma, cacher. Boma, pour moi. Pour moi, s'il te plaît. Ne me demande pas de me cacher. Boma, s'il te plaît. Boma, s'il te plaît. Je vais m'en occuper moi-même. Pas besoin de faire mais un laisse-moi, mal. Boma, s'il te plaît. S'il te plaît. Putain. Reste là, je me charge de ça. Bébé? Ouvre-moi ce portail! Ouvre ce portail! Où est-ce qu'il est passé? J'ai dit où est-ce qu'il est passé? Qui? Hé, hey, t'amuses pas avec moi! Je l'ai vu entrer dans cette concession. J'ai entendu. Je voulais avoir une preuve concrète contre toi et lui. Ouru Madjenafo, ne wadis mère. Où est-il actuellement? Bébé. Elena, Motawanawe. Ma Gonota, si tu ne veux pas que je. Mais qu'est-ce que tu. À l'intérieur. Oh nice, sonona wak big man. Ma Bogasa, entre là-bas. Tu ne m'entends pas? Managa quoi devant. Tu crois que je blague? Entre là-bas. Allez, passe là-bas dedans. Sammy. Idiote. Sammy, s'il te plaît. J'ai dit, où est-il? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Tu me prouves que tu n'es pas une bonne madame. Oui, j'aurais dû en finir avec tous tes ex-copains. Oui. Tu veux dire que tu as toujours des sentiments pour un homme qui n'a pas pu rester marié à toi? Hein? Où est-il? Je ne veux pas me répéter. Je ne veux pas me répéter. Où est-il? Viens par ici. Je t'ai demandé où est-ce qu'il se cache. Je vais le tuer. Hé, hey, lâche-la. Protège. Lâche-la. Lâche-la, je dis. Si tu la touches encore, tu auras affaire à moi. Tu verras la bête qui sommeille en moi. Laisse-la partir. Monsieur, vous êtes venu chez moi, n'est-ce pas? Omano Thiebo. Bring ma goma, Shoga. Vous voyez cette maison? Personne ne va sortir. Personne ne sort de cette maison. Je suis en train de dire que personne ne sort. Vous êtes un voleur. Bonoyi, bonyonyoma. Pour me menacer? Vous avez le courage chez moi? Qui est cet homme? Je te demande que qui est cet homme? S'il te plaît, s'il te plaît. Tu vas me le dire. Noa Koso, Niavoua Mefemu. Comment êtes-vous entré chez moi, monsieur? Apunubu Gwala Gwala Gwana. Bela Diabouami. Banja, Dakara Fore. Comment êtes-vous entré ici, monsieur? Comment êtes-vous entré chez moi, monsieur? C'est tout ça, là. Je n'ai pas le temps pour toutes ces foutaises. Managbobo. Ma chérie, viens.
Viens, on y va. Ça va, j'ai compris. Ok, relax. Ok, relax. Écoute, prends tes affaires et viens avec moi. Parce que si tu tiens à rester là, je ne peux pas garantir ta sécurité. Cet animal te tuera. S'il ne le fait pas aujourd'hui, il le fera un jour ou un autre. Il te tuera et je ne veux pas te perdre, bébé. Voyons, prends tes affaires, allons-y. Ok? Prends tes affaires, gamin. Je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. C'est bon, va prendre tes affaires. Pourquoi es-tu désolée? Hein? Je suis désolée. Pour lui ou pour toi-même? Je suis désolée pour tout. Je suis désolée. J'ai l'impression que le monde me tombe dessus. Comme si j'allais mourir. Tu mérites de mourir, madame. Tu veux savoir un truc? Tu mérites de mourir. Et toi, monsieur? Ce n'est pas encore terminé. Oh, que si, c'est terminé. Vous êtes un homme. Et vous, vous ignorez qui je suis. Mais moi, je vous connais. Vous ne savez pas jusqu'à quel point je vous connais. Écoutez bien, de 1 à 7, je vous connais. Vous n'êtes rien d'autre qu'un sale meurtrier. Oui, c'est ce que vous êtes. Je vous connais, je sais tout. À propos de vous, souvenez-vous que j'ai rencontré un jeune homme nommé Dallas. Vous vous souvenez, hein? Celui que vous avez amoché pour éliminer Nancy. Il m'a donné une lettre qui contient tous les détails sur la façon dont vous vouliez retirer tout l'argent de l'assurance après avoir assassiné Nancy. Ah! Un homme m'a rapporté cette lettre hier soir, monsieur. Il m'a formellement demandé de vous la remettre en main. Il voudrait que vous la lisiez quand vous serez dans un endroit intime à vous. Désolé, monsieur. Monsieur. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Vous êtes surpris? En passant, il m'a également raconté comment vous avez essayé de tuer votre ex-femme, Jack Quinta, aux États-Unis. Vous vous rappelez au moins de ça? Oh. Mais vous avez choisi le bon timing parce qu'il n'y a aucune preuve. Mais moi, j'ai tout. Et sachez que je vais réellement vous descendre. Je vais vous descendre. Je vais vous descendre avec toutes les preuves que j'ai contre vous. Faites-moi confiance. Votre fin est là. Samy, dis-moi que ce n'est pas vrai. Ah, Samy, donc c'est pour ça que tu es en colère après moi, après que j'ai survécu à l'attaque? Oh, mon Dieu, aide-moi. Ah. Mensonge. Mensonge. C'est un mensonge qui vient de l'enfer. Monsieur, personne d'entre vous ne peut le prouver. Vous n'avez aucune preuve. Oui, c'est là. Hein? C'est là. Allez, donne-moi ça, toi. Idiote, vous n'avez aucune preuve contre moi. Gowon m'a dit. Ok. Ok, monsieur. J'ai tout déchiré. Regardez-moi cette bande de salauds. Regardez. J'ai tout déchiré. Laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai bien plus qu'une simple lettre contre vous. Allez-y, déchirez tout. Mais le moment viendra où je vais vous descendre. Regardez bien ce visage. Car c'est lui qui va vous descendre. Oufema Manuga. Oui, Yao. Mon cœur. Salaud. Boma. Reste là, madame. Espèce idiote. Boma. Madame. Tu n'es qu'un bâtard, Samy. Tu n'es qu'un bâtard. Je vais m'assurer que tu payes pour ça. Mon bébé. Anaphobie Fobanyebo. Bébé. Madame. Samy, tu n'es qu'un meurtrier. Tu vas fermer ta bouche. Ferme-la, madame. Je crois t'avoir dit que je ne tolérerai pas les injures. Cet homme est entré chez moi comme un voleur. Et tu l'as laissé faire. Nouanjishme. Ferme ta bouche. Hé, hey, frangin. T'es réveillé? Hé, hey, Larry. Ouais, je suis réveillé. J'ai tellement dormi depuis que je suis entré dans cet hôpital. Hein? On dirait que je suis venu là pour dormir. Mais je crois qu'il est temps que je rentre. Je te dois vraiment beaucoup. Allez, sinon à quoi servent les amis, allez. Mais avant que tu ne partes, il y a quelqu'un qui souhaite te voir. Qui? Hey. Oh, Dieu du ciel. Bébé. Bien, veuillez m'excuser. Merci.
T'es venu? Waouh! Boma, je suis désolée. À propos de quoi? Chut, écoute, bébé. D'une part, je suis heureux que cela me soit arrivé. Oui, tu sais, ce genre de choses arrive parfois afin qu'on puisse apprécier ce que nous avons. Cela m'a fait me rendre compte que nous sommes faits pour être ensemble. Pour toujours être ensemble. Et ne jamais se séparer. Tu as vu comment? On s'est mis à essayer de voler ce qui nous appartient de droit. La vie. Or, je ne sais pas si tu es au courant, mais John m'a dit que Naomi a quitté la maison. Vas-y. Et elle a dit qu'elle lancera la procédure de divorce. Bonne nouvelle. Sammy a été arrêté pour agression. Et si tu veux, on pourrait aussi déposer une plainte pour tentative de meurtre. Et je vis chez IJ pour le moment. Et quand tout ça sera terminé, nous allons décider ce que nous pourrons faire par rapport à nous. Oui, je sais. En parlant de Sammy, cet homme a un tas d'ennuis qui fonce vers lui. Bébé. Oui. J'aimerais que tu t'approches de moi. Ouais. J'aimerais que nous soyons toujours comme ça. Toujours. Comment? Juste comme ça. Dans les bras de l'autre pour le restant de nos jours. Parce que j'aimerais passer le restant de mes jours à te rendre heureuse. À t'aimer. À te protéger. Et à m'assurer que personne ne te fasse jamais de mal. Tant que je serai en vie. Je t'aime, bébé. Je t'aime encore plus. Et pour toujours. Pour toujours. Maintenant, j'ai le cœur en paix.